Bonjour, Maman. Je veux que tu ailles chez Maman Ada. Va prendre les patates. Je les ai oubliées là-bas. C'est juste que tu les rappelles. J'avais déjà payé. D'accord, maman. D'accord. Akachi, allons-y. Ce n'est pas important. Ce n'est pas important que tu partes avec lui. Je mérite de discuter avec lui de quelque chose. Pendant que tu ne seras pas là. Maman. Mais vas-y, vas-y, laisse-nous tranquille. Ah, ok, maman, laisse-moi me dépêcher, je reviens tout de suite. Ok. Prends soin de toi. Guano. Ok. Ah, vous vous réjouissez vraiment. Oh. Vous vous réjouissez. Hey. Donc, après tous mes avertissements pour que tu laisses ma fille tranquille. Je ne continue pas. Le problème est que... J'aime beaucoup Ujua. Nous sommes tous les deux inséparables. Écoute, Léo. Oui, nous planifions de nous marier. Maman, essaie de le comprendre. Bien, écoute-moi. Je ne veux pas. Laisse-la tranquille. Je crois que je ne pourrai pas. Tu as dit? Je crois que je ne pourrai pas. Tu dis que tu ne pourrais pas? Donc tu veux m'arracher ma fille, c'est ça? Ah. Maman, je ne vais pas vous arracher votre fille. Je ne peux pas, Je l'aime tellement beaucoup. Tout ce qui se passe dans ma vie, c'est juste pour un temps. Bien? Si... Quand vous trouvez que c'est bon? C'est bon alors. Je veux que vous compreniez... que vous ne pouvez pas interférer entre moi et Ojong. Hein? Je vous en supplie, s'il vous plaît, donnez-nous une tranquillité d'esprit. Oh, tu me parles maintenant de cette façon, c'est ça? Je ne sais pas manquer de respect. Je ne sais pas manquer de respect. Je veux juste que vous compreniez. Que j'aime tellement votre fille, vous. Il n'y aura rien ou personne qui va nous séparer. Essayez juste de le comprendre. Akachi. Je te le demande encore. Tu vas laisser ma fille tranquille ou pas? Je ne veux pas la laisser tranquille. Tu ne vas pas le faire. Je laisser votre fille tranquille, maman. J'aime votre fille. Oh. Laissez-nous tranquille. Je l'ai dit, je l'aime. Ok, je mon frère. Je ne peux rien faire sans elle. Et vous le savez. Mm. Je veux continuer dans ça. Je veux continuer dans ça. Tu es fâché? Je veux continuer sérieusement. Oui, je suis fâché. C'est bon. C'est bon. Ah! Ah! Mm. N'importe quoi. Tu me déranges. Restez là. On verra. Tu vas rester ici. Restez là, j'ai dit. Viens encore la déranger. On verra si tu sauras. Fou. Écoute. Lorsque la déranger, je t'amènerai. Très loin d'ici, comme ça.
il n'y aura personne qui pourra te retrouver. Et ma fille va se marier. Et elle va t'oublier. Ozu. Bien, bien, je t'ai dit de rester là. Il ne faut même pas bouger. Reste là, n'ose pas bouger. Hé, hey, maman. Hmm? Ça, c'est ton gris. Oui, ma chérie. Non. Maman, je n'ai pas vu Akachi. Hein? Je n'ai pas vu Akachi. Oui, juste là à côté, je ne l'ai pas vu. Et c'est quoi mon problème? Je sais pas. Maman. Hein? Maman, je suis sûre que tu as quelque chose à voir dedans. Je sais très bien que tu n'aimes pas Akachi. Tu ne l'apprécies pas du tout, je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce que tu lui as bien dit pour qu'il parte? Oh bien, Nuju. Maman. S'il te plaît, va dans la maison. Va dans ma chambre, sur la table. Tu vas voir mon cahier de registre de réunion. Tu me la portes, j'ai une réunion, s'il te plaît. Hein? Fais vite, fais vite, fais vite. Oh mon Dieu. Toi non, ose encore de me la ravir. Maman, tu... je l'ai trouvé, c'est ça. Mais jusque-là, tu ne m'as pas dit qu'est-ce que tu as dit à Cathy pour qu'il puisse partir. Oh. Hein? Je sais que tu voulais faire quelque chose. C'est pourquoi tu m'as demandé de partir. Ces garçons d'entrer ici juste pour une seule raison. Juste pour une seule raison. Maman, c'est pourquoi j'étais surprise quand tu souris en me disant « Oudou, je vais t'envoyer quelque part, maman. Je savais que tu voulais faire quelque chose. » Oh bien, Oudou, tu vois ces coqs ici? Hmm? Oui, maman. Nourris-les, que personne ne puisse le manger. Hmm? Ça, c'est le coq que je veux amener. Je vais donner un sacrifice, c'est ce que je... Ok, maman. Que personne n'y touche. D'accord, je vais les sauver. En tout cas, je suis sûre qu'il a fait quelque chose à Akachi. Oujou, hey! Maman de maman! Mon fils! Ma maman! Eh oh, oh mon ma fils, il est retour! Hey! Mon fils, maman? Tu es de retour! Oui, oh! Odogu, Odiegu! Ha! Odogu, que Dieu te bénisse! Tu as réalisé ta parole! Oui, je maman. Suis contente de te voir! Maman. Hey! Nem, hey. Mon fils, oh! Mon fils, oh! Maman! Hey. Tu vois, la vie n'est pas du tout facile, oh! Je sais. Ces idiots voulaient me voir mort. Tchai. Oui, maman. Ça ne va pas marcher pour eux. Ça ne marchera sans pas effet, mon Dieu ne va pas le permettre. Oui, oh, maman. Hey, mon fils, oh. Maman. Eh, qu'est-ce que tu as là? Tu manges quoi? Eh, tu manges... Est-ce que tu lui as préparé à manger pour qu'il celle-ci? Celle-ci qui n'est pas contente que je sois sortie de prison. Oh, maman, lorsque je t'ai revenu, j'avais énormément faim. Alors, je suis passée à la cuisine et je me suis fait un petit truc. Ne dis pas ça. Moi-même. Maman. Tu as préparé. Emenike. Maman. Qu'est-ce que tu manges? Le coq. Le quoi? Le poulet. Quel coq encore? Le poulet. Mon Dieu. Le poulet. Tu as pris la poulet. Que... Maman, je lui ai dit, oh. Hey! Je lui ai dit que tu as porté ça pour quelque chose d'important, mais il a refusé d'écouter. Et où? Voilà ce qu'il a fait. Et où? Maman? Pourquoi? Attends. Emenike. Maman? Hey! Emenike, qu'est-ce que tu as fait?
Maman, j'avais énormément faim lorsque j'étais revenu. C'est comme ça que j'ai trouvé ces coques. Et je me suis fait une sauce pimentée avec. Quelle est ces coques? Les poulets. Hey! Hey, maman! Maman, hey, je maman. Suis désolé. Je suis désolé. Hey, mon Dieu, cet enfant va m'étirer. Hey! Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal, maman? Tu ne sais pas ce que tu as fait. Hey! Hey! Mon Dieu! Mais je suis fini. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je fais? Quand tu es rentré, je t'avais dit, mais tu as refusé d'écouter. Tu vas finir ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que j'ai fait, non, maman? En tout cas, excusez-moi, je n'ai rien fait de mal. Je suis revenu et j'ai trouvé ces coques. Ces coques, et vous voulez que... Hey! C'est très très bon. Omia, Omia, hey, Ewo, je suis fini, oh, cet enfant m'a tué, oh. Onya, 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 pardon, 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 je suis fini, oh, hey, je suis fini. Quelque chose de grave vient de se passer. Pardon, aide-moi, c'est... Tu me déranges au moment où je suis concentré avec le mauvais esprit. Eh wow. Oh Jenny, n'étais-je pas prévenu avant concernant ceci? Je suis désolée, c'est juste une urgence qui m'a amené ici. S'il te plaît, aide-moi, pardon. Aro, Asa, Abalatunani, Ndimbudandiekele. Ujelu. Il a mangé ses coques. C'est ce qu'il a fait. Je suis rentré, je l'ai trouvé en train de le manger. Hein? Est-ce que tu sais ce que tu as fait? Oh Jenny, hein? Tu étais venu ici chercher la magie noire. Et je t'en avais dit les conséquences, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Alors pourquoi tu l'as utilisé contrairement? Hey. La magie noire est un fétiche très puissant. Ce qui est capable de rendre un être humain à un animal. Et quiconque mangera cet animal ne sera plus capable de faire le grand besoin. Hein? Ce fétiche bloquera son anus. Et hey! La personne restera comme ça jusqu'à sa mort. Onye, s'il te plaît, aide-moi. Et cela s'est fait en déant 7 jours. Hey! Onye, pardon, aide-moi. Je ne savais même pas qu'il sera de retour de la prison aujourd'hui. S'il te plaît, c'est mon seul garçon. Pardon, je t'en prie. Ojole ni kwankubu, ni kebe nkuku. Ike changubu, ni fubwe fubwe. Ike chekwe, ni furi furu. Ike chekwe, hi furi furi were. Aro, pars. Oui, pars. Je ne vais pas consulter l'oracle maintenant. Hey. Je le ferai lorsque je serai seul. Ojole ni kwankubu, ni kebe nkuku. Ike changubu, ni fubwe fubwe. Ike chekwe, ni furi furu. Ike chekwe, hi furi furi were. Ndembo nya nekide.
Aïe, aïe. Maman, j'ai mal. Aïe, aïe, aïe. Aïe. Aïe, mon Dieu. Et Ménike. Maman, maman, mon ventre. Mon ventre, maman. Maman, mon ventre me dérange. Je suis déjà allé aux toilettes, mais rien ne sort, maman. Ah, qu'est-ce qu'il me fait au juste? Maman, je ne sais pas quoi faire. Peut-être il te faut boire beaucoup d'eau. Maman, j'ai déjà bu beaucoup d'eau, maman. Mais jusque-là, aucun changement. Maman, j'ai énormément mal. Je ne sais pas quoi faire. Maman, s'il te plaît, quel médicament dois-je prendre? Un médicament? Je... En fait, maman, que je parte à la pharmacie. Peut-être qu'on me donnera un médicament. Maman! Aïe, 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 aïe! Maman, oh. Hein? Tu vas bien? Je veux bien. Mais maman, as-tu demandé à Emenike comment est-ce qu'il est sorti de la prison? Ma fille, tais-toi. Tu es très méchante. Tu es vraiment très méchante. Arrête de me poser des questions stupides. Pardon, laisse-moi tranquille. Désolée, maman. Maman, t'es sûre que tu vas bien? Je veux bien! Ha! Jésus-Christ. Maman? 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 Maman, qu'est-ce que tu as dit à Akachi? Qu'est-ce que tu lui as dit pour qu'il arrive jusqu'au point d'oublier son téléphone, maman? Qu'est-ce que tu lui as dit? Attendez d'abord, c'est un pain qu'ils sont en train de manger, un gros pain comme ça. Tchia, c'est quoi ça cette affaire? Un simple pauvre qui vient embrouiller ma fille. Viens encore, tu vas voir. Viens encore, imbécile. Ça c'est quel genre de question stupide? Maman, je m'en fiche que ça soit une stupide question ou pas, mais je vais lui remettre son téléphone. Hé, hey, non, reviens. Si c'est moi, tu sortais de cette parcelle, je vais te déshonorer. Tu vas me déshonorer? Mais pourquoi? Es-tu folle? Pourquoi, maman? Es-tu folle? À cause de cet animal stupide, tu veux partir risquer ta vie? Hein? Sors d'ici seulement maintenant. On verra si tu ne vas pas le regretter. Attends un peu. Laisse-moi te dire. Prends ce téléphone-là et jette ça je ne sais où. Je ne veux pas te voir avec n'importe quoi. Tu m'as entendu? Eh mon Dieu! Maman! Maman, je suis fatiguée. Mon ventre! C'est fini. Mon ventre me dérange énormément, maman. J'ai pris tous les médicaments qu'ils ont pu me recommander. Mais jusque-là, aucun changement. Mon ventre, maman. Allez, va le voir. Mon frère, quoi?
Mais c'est quoi? Tu as de la fièvre? Je suis en train de mourir. Tu ne mourras pas. Non. Mon ventre me dérange énormément. Maman, mais c'est sérieux. As-tu bu assez d'eau? Hey Dieu. Qu'est-ce que c'est tout ça? D'où? As-tu pris quelque chose ou quoi? Dis-moi, c'est quoi? Je suis désolée. Ce fétiche n'est pas si facile que l'on peut réparer. Hey. C'est soit la personne en question meurt, ou quelque chose de stimulant doit être utilisé en échange. Ah. Olier, s'il te plaît, aide-moi. Aide-moi. Je ne veux pas que quelque chose lui arrive. Je t'en prie. Hein? Oh Jelly, le cœur de l'homme. Tu ne veux pas que quelque chose de mal arrive à ton fils. Tu ne veux pas qu'il meure. Mais tu avais tué l'enfant d'une autre femme, n'est-ce pas? S'il te plaît, aide-moi. Je t'en prie. De toute façon, il n'y a qu'une seule chose qu'on puisse faire. Et il faudrait que cela se fasse très rapidement. Sinon, la porte de l'au-delà sera ouverte. Pour recevoir l'esprit de ton fils. Non. Peu importe ce que c'est, que je peux faire pour que mon fils vive, je vais le faire, s'il te plaît. Pardon. Ojolini kwambunu, ni kebenkun. Inke changbu, ni fenenfune. Inke chekwe, ni furi furu. Ifu chefe, i furi fure. De toute façon, pour arriver à neutraliser la capacité de la magie noire, un sacrifice humain sera voulu. Quoi? Comment tu parles comme si tu es surprise et choquée? Ton fils a mangé un être humain à la place d'un poulet. Ça, c'est la magie noire. Oh. C'est la magie noire que nous sommes en train de parler ici, Ujani. Est-ce qu'Akachi est à la maison? Il n'est pas à la maison. Je suis en route pour chez toi pour le chercher aussi. Parce qu'il m'avait dit qu'il venait chez toi. C'est depuis hier. Il était venu chez moi à la maison. Hein? Mais je suis allée chercher quelque chose pour ma mère. À mon retour, je ne l'ai pas trouvé. Il a même oublié son téléphone. Ah, ça c'est sérieux. J'ai commencé à appeler depuis hier. Il ne répond pas. C'est vraiment flou. Ça, ce n'est pas Akachi. Il m'a toujours dit s'il doit aller quelque part. Je ne sais pas, je suis vraiment confuse. Comment est-ce que je peux tuer une personne? Je n'ai jamais fait ça avant, hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que tu peux me donner les noms de ce que tu viens de faire maintenant? Onya, je t'en prie, aide-moi, s'il te plaît. Je vais t'aider. Seulement de la même manière que je t'ai toujours aidé. Mais tu vois, cette fois-ci, ça va t'écouter énormément, Ojali. Peu importe. Tout ce que vous allez demander pour sauver la vie de mon fils, je vais le faire. $1,000,000. Qu'est-ce qui se passe juste?
Comment j'appelle Akachi, il refuse de décrocher. Je n'apprécie pas, mais ce ne sont pas de ses habitudes. Ce ne sont pas de ses habitudes, oh. Hein? Eh Dieu! C'est quoi ça, Seigneur? C'est quoi? Ah. Mon patron! Je vais mourir! Oh. Ah, ma soeur, mon ventre, mon ventre! Mais qu'est-ce que c'est? Mon Dieu! Mon ventre! Mon ventre! Ma soeur! Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Mon ventre! Qu'est-ce qui ne va pas avec ton estomac? Aide-moi, s'il te plaît. Attends. Tu as mangé quelque chose? Hey! Aïe, c'est quoi les problèmes? Je sais pas. Oh mon Dieu. Hey! Maman, oh! Hey! Je vous. Ne meurs pas, oh! Tu viens juste de rentrer. Ne meurs pas. Attends, je vais te chercher des mains. Attends, j'arrive. J'ai mal. Mon ventre. Je vais mourir. Où puis-je trouver une telle somme? Ça, c'est quelle question que tu me poses? Tu me la poses pour que je la pose à qui? Ojali, c'est la vie d'un humain dont nous parlons. Mais non pas du poulet, non plus d'une chèvre ou un autre animal. Attends un peu. Tu crois réellement que cet argent que tu vas apporter, c'est à moi seulement? Tu attends ce que j'aille chercher moi-même un être humain? Oh non, Ojali. De cet argent que tu vas m'apporter, je vais aussi contacter les gens qui vont m'amener un être humain pour le sacrifice. Donc, tu vois? Écoute. Tu n'as pas assez de temps. S'il te plaît, ne permets à personne de l'amener à l'hôpital pour une quelconque médication, traitement ou injection. Sinon... Salut. S'il te plaît, oui, salut. As-tu vu Akachi passer de l'autre côté? Non, pas du tout en tout cas. S'il te plaît. As-tu vu un jeune homme un peu élancé comme ça? Il a de la barbe. L'as-tu vu? Non, ma chérie. Non, pas du tout. T'es sûre? Non.
Arrête, non. C'est ton tour maintenant. J'ai tenté de t'amuser. Tu sais comment me provoquer. Hein? Je ne l'avais pas fait. Regarde. Oh là là. Oh, mon Dieu. Toi vraiment. Souris, hein? Non. Tu es provocateur. Je ne le suis pas. Mais tu avais couru, non? Tu allais me serrer les coups, non? Si tu l'avais fait, tu allais voir ce que j'allais te faire. L'amour est beau. Obien Uju. Ma? Qu'est-ce que ce fou est en train de faire dans ma parcelle? Je t'ai pas mis en garde qu'il n'entrait plus dans ma parcelle, n'est-ce pas ça? Hein? Ma? Il me dit ma? C'est quoi, maman? Lève-toi, sors de ma parcelle, criminel! Maman, sois la bienvenue. Que la foudre s'abatte sur cette bouche-là! Qui est ta maman? Pardon en quoi? Hein? Pardon pourquoi? Et toi? Entre à la maison, cherche quoi faire si tu n'as rien à faire. Tu veux bouder? Si tu. Oh, je veux. Sors d'ici! Idiot! Ozu, animal! Criminel! Que je te vois encore ici? Idiot! Et toi, Uju? Je veux que tu te maries à un homme riche. Un homme qui prendra soin de toi. Sinon, un homme qui va te faire souffrir et ta beauté va faner. Je ne veux pas que tu épouses un vaurien. Mais maman, Aka, tu n'es pas un vaurien. C'est quoi la différence? Parce qu'il n'a pas une voiture. Ça, c'est la seule différence. Oh, oh, oh. Tu crois qu'un vaurien, c'est un homme qui ne s'habille pas bien? Un homme qui s'habille comme un fou, sans voiture? Aka, tu es le meilleur exemple d'un vaurien. Tu veux me contredire? Hein? Tu crois que c'est faux? Parce que tu es encore ici chez moi, je t'ai nourri. C'est pourquoi tu penses qu'il est responsable. N'importe quoi. Il n'arrive même pas à se nourrir seul. Et quand il va te prendre, tu vas finir comme ça, comme de l'air. Tais-toi. Ferme-la. Je te parlais et je mets un point. Point à la ligne. Si tu veux mourir pauvre, va mourir dans la pauvreté. Mais ce qui me concerne, jamais. Qui est devant moi, pardon? Hé, hé! Je t'ai dit quoi faire avec? Hein? Non, maman. Ha! Va le préparer, pardon. Hein, reviens ici. Comment vas-tu le préparer? Tu sais faire ce plat? Maman, je t'ai allé chercher des tomates fraîches. Faut le faire bien. Lave ça des reprises. Tu le prépares... pardon. Je ne veux pas trop de piment. Ou trop du sel. Prépare comme une très grande fille, une femme normale. Maman, tu exagères. Tu devais préparer ta sauce toi-même. Hein? Il te serait mieux de chercher un homme de voiture. Oh. Seulement ce petit bandit que je le vois encore autour de toi et tu verras. N'importe quoi. Idiote. Tu dois épouser un homme de qualité qui a l'argent et qui peut prendre soin de toi. Je t'aime. Je t'aime. Beaucoup. Je t'aime à la folie. Ouais. Hey. Maman. Onya,
Je ne peux pas rester les bras croisés comme si on m'avait bandé les yeux. La façon dont je vois ces choses, oh, ma fille sera grosse bientôt. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je te l'avais dit, n'est-ce pas? Je t'avais dit que leur amour est vraiment profond. Oui. Ils sont inséparables. Oui. Ils sont durement liés par l'amour. Je te l'ai dit. Oui. Être trop amoureux dans la pauvreté? Hein? J'avais oublié de te dire. Tu vois ce jeune homme. J'étais capable même de chercher sa destinée. Mais il n'a rien. Hein? Oui. Il est vraiment destiné de vivre et mourir dans la pauvreté. Et à tout prix, il doit épouser ta fille. Oui. Donc, tu vois, une fois épousé ta fille, vous tous, vous vivrez et vous allez mourir dans la pauvreté. Je ne veux pas l'accepter. Agna, agna, il faut faire quelque chose. Fais quelque chose qui va le mettre loin de ma fille. Pardon. Bien. Nous devons essayer avec la magie noire. Bam, qu'on le fasse. Ah ah. Oujali, tu ne demandes même pas quels sont les inconvénients de la magie noire. Tu es toujours pressé, Oujali. Ah ah. Guano, dis-moi. Écoute-moi. Avec cette magie noire, avec ça, tu seras en mesure de les transformer en un animal de ton choix. Et quand tu les fais, apporte cet animal loin de ce village, là où aucun œil de notre humain te verra. Là où personne sera capable de manger cet animal. C'est à toi de le faire ou ne pas le faire. C'est bon. Est-ce que tu as bien compris ce que j'ai dit? Oui, oui, oui. Qu'on les transforme seulement en coq. Un coq. Un coq. Oudjani. Un coq. Oudjali. Hein? Iki gwangubu, nike wenkun. Ike changubu, ni fowen fowe. Ike chekwe, ni fure furu. Ike chekwe, ni fure fure. Weho. Oujani, pour la toute dernière fois, es-tu sûr que tu veux faire ceci? Oui. Oujani, sois sûr de ce que tu fais. Es-tu sûr que tu veux faire ceci? Oui. Suis alors toutes mes instructions. Mets ta main sur ta tête. Les deux. Quand tu prends la décision d'avancer, ne recule pas, Oujani. Oh, oh. Prends. Donne-lui un coup avec sur sa tête. Puis il deviendra un coq. Oujali, quiconque mangera cette poule sera frappé de la maladie. Ok. Fille ou garçon, son anus ne sortira plus la matière fécale. Et en déant 7 jours, la personne mourra. Apporte cette poule très loin. Oujali, ouvre bien tes oreilles, écoute mes instructions. Oh. Oh, oh. Hey, ma ventre. Hey, mon Dieu, ma ventre va me tuer. Aïe, 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 aïe. Hey, hey, ma ventre. Hey, mon Dieu. Ah, j'ai très mal, j'ai très mal, j'ai très mal. Ah, mon ventre. Mon ventre. Allô? Bonsoir, monsieur. Bonsoir, maman. C'est quoi que tu m'appelles au milieu de cette nuit? J'espère que tout va bien. Odogo à moi, oh, rien ne va, oh. Maman, peu importe la situation. Dis-la à ma femme. Je suis occupé maintenant.
Ma chérie. Ma fille. Bonsoir, maman. S'il te plaît, pourquoi m'appelles-tu à cette heure? Pardon. J'ai besoin de ton aide. Pardon, aide-moi. Maman, tu as toujours eu besoin de mon aide. Même quand tu appelles mon mari. Tu as toujours eu besoin de l'argent. Pardon. Aide-moi cette fois-ci. Je t'en prie, ma fille. Maman, s'il te plaît, je serai au village demain. Donc, peu importe les problèmes, nous allons en parler. Hein? Ok, merci. Obianuju. Qu'est-ce que tu fais ici dehors toute seule? Maman, je voulais juste prendre un peu de l'heure avant d'aller au lit. Oui, maman. Ok. Ça, c'est notre heure de prière. Entre et compris, j'ai besoin de dormir. Maman, tu peux aller prier. Je viendrai prier seule un moment. Es-tu folle? Hein? Et bonyara? Maman, ne peux-tu pas voir que je passe par un stress émotionnel? Laisse-moi tout seul, je ne peux pas prier, maman, s'il te plaît. Ferme-la! Tu passes par quoi? Ma fille vient à la maison, on prie et que je dorme. Tu traverses des moments de stress, pourquoi? Qu'est-ce que tu as perdu de si intéressant? Viens, on va prier. Tu t'es soucié pour une personne inutile? N'importe quoi. J'ai des stress. Une folle. Maman, s'il vous plaît, emmenez-moi à l'hôpital, maman. Je n'arrive plus à supporter. Je vais mourir. Oh. Désolé, tu ne mourras pas. C'est fini, c'est fini. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh, mon fils, tu vas essayer, hein? Hein, mon fils? Hey, va forcer. Aucun changement, maman. Je meurs, je meurs, je meurs. Tu ne mourras pas, mon fils. Je meurs. Tu ne mourras pas, hein? Prends un peu d'eau, hein? C'est bon, c'est bon. Calme-toi. Y a-t-il quelqu'un ici? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? En quoi puis-je t'aider? Maman, je suis venue vous demander. Avez-vous les nouvelles de mon frère Akachi? Et après? Parce que c'est ici qu'il se trouvait avant sa disparition. Es-tu folle? Non, 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 non. As-tu fumé du chanvre avant de venir dans ma maison? Mon ami sort d'ici. Maman, arrête de venir me déranger. Mon frère a disparu. Je ne sais où le chercher. Je suis venue vous demander, maman. Ok. Parce que ton frère a disparu. C'est ici l'endroit où tu peux les trouver. C'est ça? Sors d'ici avant que je te traite d'une voleuse. C'est quoi ça, cette affaire? Nya, 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 nya. Allez, dis, sors d'ici. Non, mais maman, elle voulait juste... De quoi veux-tu parler? À quoi sert ton intervention? Hein? Mais elle a juste posé une question. Quelle stupide question qu'elle demande. Ne cherche pas que je déverse ma colère sur toi. Ça, c'est quoi ça, ces bêtises? Hein? Ah, ah. Maman, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas cette stupide fille.
qui est venu ici pour nous dire que son frère a disparu. Et dans sa tête, ici, c'est l'endroit exact où il était. N'importe quoi. Viens encore. Il faut venir. Idiote. Maman, c'est bon. Elle est déjà partie. C'est bon. N'importe quoi. Oui. Bienvenue. Qu'est-ce qu'il y a? Oh! Pardon, pardon, pardon. Viens, viens. Viens, viens, viens. Bien, 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 bien. Oluchi. Maman. Je veux que tu me prêtes de l'argent. Maman, tu dois arrêter cette habitude d'appeler mon mari à chaque fois et lui demander de l'argent. Tu commences vraiment à abuser. Ah ah! Es-tu stupide? Qu'est-ce qui est devenu assez? Ce n'est pas la première raison pour laquelle tu l'as épousé. Peu importe si j'ai l'argent, il doit quand même me donner. Et à part ça? Il m'avait promis de faire abattre cette maison et de me construire une nouvelle. Jusqu'à présent, il ne le fait pas. Qu'est-ce qui se passe? Maman, nous avons ses projets. D'ailleurs, il le fera dans peu de temps. Hein? Ma fille, j'aime quand tu dis ça. Hein? Ah. De combien as-tu besoin? Ha! Oh. Obien Uju? Maman? Qu'est-ce que tu cherches? Écoute, sors d'ici. Maman? Je vais parler, tu m'as entendu. Maman, je cherche quelque chose. Ah, sors d'ici. N'importe quoi. Elle veut seulement. Ma chérie, juste 1 000 000 de naira. Ah, ah. C'est quoi ça? Ah, ah. Aussi. C'est beaucoup. Qu'est-ce que est beaucoup? Que feras-tu avec cet argent? Es-tu stupide? Ça, c'est le genre de questions que tu me poses. Mais derrière, c'est quoi 1 000 000 de naira? Les 1 000 000 de naira que vous considérez comme pour boire? Hein? Ou c'est juste l'argent que vous utilisez pour donner aux gens là-bas à l'extérieur? Et moi qui suis ta maman, pourquoi tu peux me faire ça? J'ai besoin de cet argent. Maman, j'ai t'ai entendu. Je lui en parlerai. C'est bien. Cherche à l'appeler. Appelle-le. C'est vraiment urgent. Maman, je lui parlerai en face. Appelle-le. J'ai besoin d'une réponse. Non, maman. C'est un sujet qu'on ne peut pas discuter au téléphone. Hein? J'ai besoin de cet argent urgentement. C'est entre la vie ou la mort. Maman. Où est passé Ménique? Je ne l'ai pas vu. Hein? Hey. Hey. Hein, tu as dit? Où est passé Ménique? Je ne l'ai pas vu depuis que je suis venue. Ma fille que j'aime, oh. Qu'est-ce que je peux faire sans toi? Hein? Merci, maman, oh. C'est pas grave. Tu sais que je dois rentrer à l'école, donc je ne saurais conduire durant la nuit. Grande sœur, espérons qu'Akachi va revenir. Croisons les doigts. Ok. Tu m'as entendu? Oh, maman, je m'en vais. C'est bon. Merci, oh. D'accord, maman. Ok. Au revoir. Bye bye, oh. Prends bien soin de toi, salut. Oui, je le ferai. J'ai hâte de faire le parcours avec toi. Moi aussi, Obin. Et je souhaite que ça arrive tôt. Ça va aller. Je ne peux plus attendre de passer le reste de ma vie avec toi. Je ne peux pas. Et je ne peux pas attendre pour devenir ta femme. Regarde. Aucun humain né d'une femme peut nous arrêter. Oui, Obim.
Je sais que ma mère te hait beaucoup, mais même ma mère ne peut pas m'arrêter. Sois-en sûre. Je ne permettrai même pas que cela arrive. Tu veux que nous nous rassasions tous les deux? Ça c'est fait. On ne peut que se séparer. Par Dieu. Non, oh, je t'aime. Oui, je t'aime. Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Oudjou, qu'est-ce que c'est? J'ai mal, ma jambe. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui ne va pas avec ta jambe? Sois forte, ça risque de faire mal. Ça peut marcher. Ok, ça va aller. C'est maintenant le moment de l'envelopper. Ça va aller. Désolé. Bois. Vas-y, donne-lui beaucoup. Ok. Bois. Hein? Merci. Tu te sentiras bien. Qu'il se repose juste. Qu'il se repose, hein? Tout va très bien se passer, ok? Ne t'inquiète pas, tout sera bien. J'ai tellement eu peur. Écoute, fais-le très bien et puis doucement. Ouais. Oh. Je t'avais montré comment le faire, hein. Doucement, fais-le bien. Je t'aime.
Je t'aime à la folie, mon chéri. Mais j'ai quand même essayé. Mais c'est tout ce que tu as fait. Ça, c'est toi-même, pas maîtresse. Je ne sais pas comment l'appeler. Je suis le meilleur. Hein? Mais tant que c'est toi qui as touché ma tête, peu importe ce que tu as fait, c'est non. toujours joli. Mais oui, non. C'est trop joli quand c'est toi qui touche. Regarde le soleil. Regarde-le. Attention, qu'est-ce que tu fais? Il faut me construire une maison. Je vais aller vivre là-bas. Donc tu veux aller vivre là-bas? Mais autre hein? Oui. Ouais. J'ai regarde. Besoin de toi. Ouais. Non. Lève-toi. Il faut que je t'amène quelque part. Lève-toi. Doucement. Efforce-toi. Force-toi. On y va rapidement. Je vais juste prendre mon sac. Attends. Doucement. Efforce-toi. Descends lentement. Oh, attention. Ndo. Doucement. Doucement. Désolé. Maman, qu'est-ce que tu lui as dit pour qu'il disparaisse sans même me dire quelque chose? Qu'est-ce qui se passe? Obianujo, je pars avec mon fils pour chercher son traitement. Mon fils est là. Doucement. S'il te plaît. Ne kwa ngubu ni nkebe nkubu. Ikeche ngubu ni febe mfube. Ikeche kwe ni vure vuru. Hifu chafe hifuri were. Ne kwa ngubu ni nkebe nkubu. Ikeche ngubu ni febe mfube. Ikeche kwe ni vure vuru. Hifu chafe hifuri were. Onye, nsomme, s'il te plaît. Maman, c'est où cette Ferme-la. Ferme-la.
C'est pour cela que ta stupidité t'a créé des problèmes. Ferme-la comme ça, je vais voir si je peux sauver ta vie. On y est, nous sommes là. Ton nom. Oh, Jenny. Touche ces trucs. Allonge ta main. Dis ton nom. Emenike. Emenike. Onya, ça, c'est ton argent. Heureusement, tu es à temps. Si tu avais perdu le temps, en ce moment, il serait mort. Mourir? Es-tu? Aide-moi, s'il te plaît. C'est mon seul fils. Pardon. Maman! Maman! Hein? Onya! Onya! Qu'est-ce qu'il peut faire avec lui? Aïe! Aïe! Prends place. Ah, mon Dieu! Ojali. Ne kwa ngubu ni nkebe nkubu. Ikeche ngubu ni febe fube. Ikeche kwe ni vure vuru. Hifu chafe hifuri were. Ne kwa ngubu ni nkebe nkubu. Ikeche ngubu ni febe fube. Ikeche kwe ni vure vuru. Hifu chafe hifuri were. J'étais en contact avec les garçons. Celui qui viendra avec les sacrifices. Une fois que je l'ai reçu, je procéderai avec les rituels. Ne kwa ngubu ni nkebe nkubu. Ikeche ngubu ni febe fube. Ikeche kwe ni vure vuru. Hifu chafe hifuri were. Tu peux partir. Ne kwa ngubu ni nkebe nkubu. Ikeche ngubu ni febe fube. Ikeche kwe ni vure vuru. Hifu chafe hifuri were. C'est ça, grand sage. Déposez ça là-bas. Bon travail. Ndinguna ndekede. Ndinguna ndekede. Ndinguna ndeke. Asa. Allo. Bala tume. Allo. Allo. Ita. Oh.
Ihuhu ni kwaro ni gure guru. Ni kwaro nkuru ni nkuru nkuru. Ikeche nkuku ni febe febe. Ifeche kwe ni vure nishi. Mettez vos mains sur vos têtes. Mettez toutes vos deux mains sur vos têtes. Ni kwaro ni nkebe nkuru. Ikeche nkuku ni febe fo. Ikeche kwe ni vure vuru. Ifu chafe hi furi were. Partez. Merci. Merci. Plus de travaux. Ikechangu ni febe fobe. Ikechekwe ni vure vuru. Ifu chafe hi furi were. Allô. Ni kwa ngubu ni nkebe nkuku. Ikecha ngubu ni febe fube. Ikeche kwe ni vure vuru. Hifu chafe hi furi were. Je n'ai pas encore vu Emenike. Il est où? Il va bien. Il continue à suivre son traitement. Attends un peu. Pourquoi tu me poses la question? En quoi te déranges-tu? Tout ce qui te concerne, c'est de plaire pour un garçon vraiment inutile. Maman, ça c'est parce que je l'aime. Tiens, quitte-la. Quitte-la. Quitte ici. Oh. Sors d'ici. Oh. Oh. Bon retour, mon fils. Maman? Hein? Mon ventre me dérange maintenant. Hein? C'est comme si je vais faire la diarrhée. Rentre vite à la maison. Va vite à la vite. Maison. Oh. 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 Maman? Il faut chafé, il faut riwere. Ne quoi ngoubou, ni nkebe nkoubou. Ke tchangoubou, ni febe fobe. Ikeche kwe ni vure vuru. Ifu chafe hi furi were. Hein? Hey! Maman? Ah? Je suis finalement revenu. Je suis là de nouveau. Ah. Maman, je suis finalement revenu. Tu veux... Hey! Restez là, maman. Maman, je me suis finalement sorti. Tu as vu maintenant? Tu dois apprendre à te contrôler. À cause de toi, j'ai perdu beaucoup d'argent ici. Maman, il... Pardon, va te laver. Il fallait que tu vois ce que j'ai dû sortir. On dirait la tête d'un être humain. Je te jure, maman. Merci, maman. Maintenant, ça va. Ah, Onye, merci. Oh. Merci beaucoup. Merci. Je n'oublierai jamais ça. Ni moins, moins. Comme je venais de le dire, il n'y aura jamais aucune chose qui compliquera ton fils. Est-ce que tu me comprends? Il est resté calme et tout est au contrôle. Qu'est-ce que je pourrais faire sans toi? Absolument rien du tout. Vous pouvez aller. Merci énormément. Merci. Merci. Maman?
suis maintenant de retour. Maman? Mm-hmm. Je pense, maman, qu'il y a quelque chose que tu ne me dis pas. Oui, maman. Ce poulet que j'avais mangé, à quoi est-ce que ça servait? Parce que, ordinairement, ce qui m'était arrivé ne m'était jamais arrivé avant. De toute ma vie, maman. Mais aussitôt que j'avais goûté ces poulets, maman, ma vie s'était presque arrêtée là. Et cet endroit où tu m'avais emmené? Oh oui, cet endroit, maman. C'est quoi cet endroit? Emenike, maman, ne joue pas avec moi. Oh. Maman, j'étais presque mort. Non, comment je ne peux jamais me poser de stupides questions pareilles. Hein? Je ne veux même plus penser à ça. Maman, il me faut des réponses. Ferme-la! Ça, c'est... Mon Dieu, Oluchi! Tu t'approches pas de moi. N'ose pas. Oluchi! Mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi? Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais les, papa, non, vas-y. Suis-la, pardon. Suis-la, s'il te plaît. Yeah! Oh, mais... Eh où? Qu'est-ce que ça pourrait être? Hey! Hein? Mais c'est ça, quoi tout ça au juste? C'est quelle bêtise encore. Qu'est-ce qu'il y a? Oluchi! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? S'il te plaît, maman. Si tu ne sais pas ce qui est bon pour toi, je t'ai démontré de me laisser tranquille. Hey. Ah, ah. Laisse-moi tranquille! Ah ah! Reste dans ton coin. T'approches pas de moi. Ah ah! Qu'est-ce que j'ai fait? Maman? Qu'est-ce que tu lui as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que je connais? Comment est-ce que tu n'as rien fait? Et elle t'a particulièrement dit de rester très loin d'elle. Pourquoi est-ce qu'elle ne me l'a pas dit? Ou pourquoi est-ce qu'elle ne l'a pas dit? Uju. Assieds-toi. Ne cherche pas qu'il y ait une compréhension entre nous. Nous étions ici. Tous les deux, nous parlions là dehors avant qu'elle ne puisse entrer. Pardon, laisse-moi. Non, essaie de me dire ça comme ça. Pourquoi elle ne s'est pas référée à moi, ni moi, au jour? Tu es malade. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? Si tu as quelque chose à dire, dis-moi ta sœur, je vais comprendre. Allez, doucement, arrête de pleurer. Hein? Ma sœur. Ma sœur. Oui. Écoute-moi. J'aimerais te dire une chose. Je t'écoute. Suis ton cœur. Ne permets à personne d'influencer pour te marier à quelqu'un que tu n'aimes pas. Fais ce qui te rend heureuse. Je parle plus de maman. Je sais qu'elle va t'efforcer parce que c'est ce qu'elle sait faire de mieux. Ne l'écoute pas. Tout ce qu'elle veut, c'est des faveurs et des choses qu'elle obtient auprès d'eux. Elle ne se soucie pas de ce que tu ressens. Ton bonheur l'importe peu. Ok. Ma sœur. Je connais tout ça. Je connais tout ça, mais qu'est-ce qui s'est passé réellement? Hein? Ces images ne font que... sur qu'il est dans ma tête. Dieu. Si seulement tout ceci pouvait être un rêve. Oh. Eh oh, je suis là.
Odogo, le chef international. Je suis là en chair et en os. À quoi il figo? En chair et en os. Je vais vous montrer de quoi je suis capable. Odogo, Odogo. Je suis l'homme de la parole. Odogo, l'international. Et je fais l'homme de fer. L'homme de fer. Plus d'argent que tout le monde. Maman, passe-moi un peu d'argent ici. L'homme qui a plus d'argent. Eh, mais niqué, mon mec. Je suis une source de rivière. Oh, t'imagines encore. Hein? Et cette rivière ne sèche pas. Odogo l'international. Mais voici. Maman, aujourd'hui, c'est votre tour de jouer avec l'argent. Aujourd'hui, c'est votre jour. Prenez-les comme vous voulez. L'homme de fer. C'est votre jour. T'imagines encore. Prenez. Personne ne peut t'égaler. Les dollars. Les dollars. Prenez le billet de 100 dollars. Personne ne peut se comparer. Je suis la source. Maman, qui bénit les gens. L'argent parle. C'est comme prenez, tu l'as dit. Comme vous voulez. L'homme le plus riche. En tout cas. Mon cher Emenike. Merci. Je suis content. Bon, jeune garçon, c'est quoi ton problème? Maman, qu'est-ce que c'est? Tu sais comment gâcher l'humeur des autres. Pourquoi ne pas partir ajouter de la bière? Maman, ne vous en faites pas. Même si ce n'est pas fraîche, je vais la prendre comme ça. Ne vous en faites pas. Et Meniké, mon mec. Odogo? Odogo? Attends, attends, je vais te faire une surprise. Allez, 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 prends. Une fois de plus, allez. En tout cas, tu as beaucoup d'argent. Meniké. Ok, c'est fini. Ça va. Hein? En tout cas, arrête. Pourquoi je m'habitue? Maman? C'est un homme comme toi. Pourquoi tu pars t'incliner comme ça? Maman, c'est juste que tout ceci me rend fou. Ne pars pas de penser. Le plus riche. Pardon, merci, merci, maman, merci écoutez, après avoir fait le mariage, je vais l'amener en ville, là où je vis. Je vais aller la rendre une millionnaire. Vous-même voyez comment je joue avec ça ici. Ekuna, c'est quoi ça? Ménike, un millionnaire. Mais oui. Maman, c'est fini. C'est fini, maman. Regarde, c'est fini. Je ne suis pas. Allez-y doucement. Enfin, je ne m'arrivais pas à cet homme. Tu ne peux pas le faire. Odogu. Merci énormément. C'est évident que tu es vraiment un homme fort. C'est vrai, maman, je suis un homme fort. Qui m'appelle encore? Ah, oui, allô? Onyema. D'accord, mon argent est prêt. S'il te plaît, paye les 20 millions de naira dans un autre compte. S'il te plaît, dis à Onoche que je vais le faire arrêter. Et au moment où il sera arrêté, c'est alors qu'il me payera 50 millions de naira qu'il me doit. Non seulement 50 millions de naira. Il ajoutera 30 millions de naira pour avoir retardé mon argent. Dis-lui que c'est ce que j'ai dit. D'accord, pas de problème. Maman, ne vous en faites pas. Ce sont les partenaires d'affaires qui me doivent ça et là des millions et des millions de naira. Beaucoup d'argent comme ça. Non, moi c'est les affaires et souvent c'est les dollars. Je dépense, je gagne, je dépense, je gagne, je dépense, je gagne. Vous comprenez? Moukem. Moukem. Dis-moi, mon cher, c'est combien? Ma part. 100 millions de naira. Ok, ne t'inquiète pas. Tu sais ce que tu dois faire, non? Oui, tu as un autre compte. Toi, viens ici. Oh oui. Allez, viens pas. Viens pas. Oui, je vais te tuer. Lève-toi de là. Allez, viens pas. Allez, viens pas. Viens pas. Allez, passe devant. Je vais pas. Allez, laisse-moi. Arrête de faire ça d'abord. Allez, mets-toi là. Reste là. S'il te plaît, je vais t'appeler après. Ok, d'accord. Surtout pas de prouver que tu ne l'aimes pas ici. Ok. D'accord, merci. Bye. mon amour, regarde ton visage. Ton visage n'apparaît pas du tout bien, Je vais bien. Je sais que tu vas bien, mais ton visage ne montre pas que
tout va bien avec toi. Ton corps a besoin de l'argent, ok? Attends, je sais ce que je vais faire. Je sais vraiment pourquoi ton visage est maussade. Attends que je te donne ce qui donnera un sourire sur ton visage. Prends l'argent, enlève la tristesse sur ton visage. Je ne l'aime pas. Un homme capable. Oui, il y a ce trait qu'on appelle tonax. Tonax, oui. C'est uniquement pour le visage. Oui, elle va en trouver. S'il te plaît, prends ça. J'aimerais que ta peau soit belle, hein? Et ajoute aussi ça, ajoute. Hey, ajoute aussi ça. L'homme capable. L'homme le plus riche. Oui. L'homme de l'homme fer. Le plus riche. Ok, tu les donnes à maman. Je vais cacher pour elle. Hey, mon Dieu, nous allons les donner pour le soin. C'est bon alors. Le grand patron. Médicament, mais... Ça, c'est vraiment bien. Oh. Le grand patron. L'homme fort. Regarde l'argent, regarde tout cet argent. Nam, viens ici. Viens, on va parler. N'essaie pas de me toucher. On va en parler. Hey! Mon amour. C'est qui ton amour? Ne te dérange pas. Comment ça va? Je vais bien. Je t'ai dit que je vais bien. C'est quoi ton problème? Sois tendre. C'est le grand homme qui te parle. J'ai beaucoup d'argent. J'ai besoin de changer ta vie. J'ai besoin d'améliorer ta vie. J'ai besoin de changer ta vie. J'ai besoin que tu sois une fille de classe digne d'être la femme d'Odogu. Je ne suis pas prête à me marier avec toi. Je ne me marierai pas avec toi. Que fais-tu dans cette maison? Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Je ne me marierai pas avec toi. J'ai besoin que tu sois différente parmi tes amis. Que tu changes. Que ta peau soit changée. Tu comprends? Tu gaspilles ton énergie. Je ne me marierai pas avec toi. Avant que je n'oublie, ne reviens plus dans cette maison. Fais ce que tu veux. Je ne t'accepterai pas. On ne se marie pas par force. Hey! Ah, moi, Odogu, l'homme des valeurs qui est réduit à néant. Oh. Es-tu folle? Es-tu normale? Qui t'a permis de parler à Odogu de cette manière? Es-tu malade? Maman, c'est pour ça que tu me gifles? C'est pour ça que tu me gifles? Écoute, je vais encore t'ajouter. Tu es chanceuse d'avoir reçu qu'une seule gifle. Sinon, j'allais te bourrer de gifles. Idiote! Une fille stupide! Je peux... Mais maman, ça suffit, non? Tu veux aussi en avoir? Tu veux en avoir? Que la foudre abatte cette bouche-là, n'importe quoi. C'est quoi ce genre de bêtises, grande sœur? Maman ne se soucie même pas à propos de mes sentiments. Elle court derrière son argent. Mais c'est quoi ça? Allez, c'est bon. Je ne peux pas me marier à cet homme. Elle doit arrêter de me forcer. C'est pas juste. Je sais. Mais tu connais maman depuis longtemps. Elle aime beaucoup l'argent. Mais ne t'inquiète pas, calme-toi, hein? Calme-toi. Grande sœur, maman exagère des fois. C'est bon, non? Par moment aussi, il faut arrêter de parler, hein? Tu dois beaucoup parler à chaque fois. Allez, suis tes larmes. Non. Ça va passer. C'est pas bon, juste. Non? Des belles filles, hein? Où est-ce que vous allez comme ça? Bon après-midi, monsieur. Bon après-midi. Allô-ti, mon amour. S'il te plaît, je ne suis pas ton amour. Arrête de m'appeler comme ça. Je n'aime pas. Allô-ti, pourquoi tu agis comme ça, hein? Tu es devant un grand homme. C'est lui qui te parle, hein? Allô-ti, j'ai l'argent. Je peux prendre soin de toi. Et tout ce dont tu as besoin dans cette vie, moi, Odogu, je vais te les donner. Tu ne peux pas me donner de l'amour. Je ne sais même pas le genre de business que tu fais. Alors, qu'est-ce qui te fait croire que tu peux m'aimer? Hein? Ma sœur. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on fait ici? Partons, ma tante. Partons. Oluchi. Allez. Oluchi. Oluchi, mon amour.
Ah, je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas avec cette fille. Tu l'as bien fait. Ma soeur, c'est comme je te le disais. Prochainement, il ne faut plus faire là. Oui. S'il te plaît, pardon, ne te fâche pas. Hein? Ne sois pas fâchée. Tu sais, les filles de nos jours ne savent rien du tout. Maman, vous devez parler à cette fille. Hey! Trop, c'est trop. Peux-tu imaginer cette petite fille me demander, moi, Odogu, connais de tous, elle veut savoir ce que je fais dans la vie. Hey! Et comme cela ne suffisait pas, maman, elle était partie. Elle m'avait laissé, moi, Odogu. Hey! Hein? Elle a fait ça? Pourquoi? Hein? Pardonne-la. Pardon, ne te fâche pas. Mon fils, je te promets que je vais tout arranger, crois-moi. C'est mieux. Parle avec elle. Et essaye de tout arranger. Je vais arranger ça, hein? C'est pas un problème. Si elle ne veut pas, maman, elle doit me dire, je vais aller ailleurs. Non. Épouser une fille qui est plus belle qu'elle. Vraiment? Plus belle. C'est pas ça. Hein? Non. Pardon. Ne parle pas. Je vais lui parler. Quand je t'ai dit que je vais arranger ça, je le ferai. Pardon. Maman, fais-le. D'ailleurs, tu dois le faire. J'ai compris. Hein? Je ne blague pas. Je peux épouser cette femme, le mettre ensemble. Je suis capable de les épouser toutes. Je cherche à améliorer sa vie positivement. Non, hein? Calme-toi. C'est quoi ça avec ta fille? Hein, maman? Maman, bon après-midi, maman. Maman, ce que tu nous avais demandé d'acheter, elle n'en a pas. Et d'ailleurs, elle n'a pas ouvert son shop. Nous l'avons acheté chez une autre personne. Non, pardon. Ne te fâche pas. Pardon. Maman, je prends congé de toi. Non, ne change pas d'avis, oh. Je vais tout arranger, je t'assure. C'est mieux de les faire. Va en paix. Fais-le, maman. Je vais parler avec eux. Cette fille veut faire fuir ma chance. Oh, Luchi! Oh, Luchi! Maman! Amène-moi ton corps ici. Oluchi! Oluchi! Maman! Amène-toi ici! Amène! Viens! Maman. Viens, approche ici! Et à genoux, toi! À genoux! Tu te joues de moi? Tu cherches ma mort? Mais qu'est-ce que je fais, maman? Qu'est-ce que tu n'as pas fait? Veux-tu que nous mourons dans la pauvreté? Hein? Pourquoi refuses-tu d'épouser l'homme riche que je t'ai amené? Maman, je l'aime pas. Je l'aime pas. Maman, regarde, je vais te tuer. Arrête ça, s'il te plaît. Mais si quelqu'un ne veut pas, maman, laisse-la faire son choix. Laisse-la. On se marie par force. C'est par force. Tu vois ce mariage ici? Ça va se faire par force. Ce n'est pas par force, oh. Moi, je ne mourrai pas dans la pauvreté. Tu as vu Odogu? N'ose pas les perdre. Il va venir. Tu vas l'épouser. Je ne me marierai pas, Odogu. Dis-moi juste que tu vas épouser Odogu. Sinon, je vais te tuer. Je refuse. Maman, tu l'as fait mal. Maman, tu as besoin de mourir. Ok. Maman, reste ici. Maman, je refuse. Maman, laisse-la. Accepte-tu de l'épouser. Je dis quelque chose. Je t'en prie, maman. Quand tu dis oui. Viens m'aider. Toujours non. Ok. Maman, je refuse. Dis oui, non. Maman va t'étrangler. Aide-moi, grande sœur. Dis seulement oui, non. Tu vas l'épouser. Maintenant, je suis encore plus violente. Maman, tu vas la tuer, non? Laisse-la mourir. Je ne vais pas te laisser ruiner toutes mes chances d'aller en ville. Oui, parce que Odogu m'a promis, juste au moment où il va t'épouser, il va m'emmener en ville. Et il m'a aussi promis qu'il va me mettre sur sa ligne d'affaires. Oui, alors tu dois l'épouser. Oh. Tu dois épouser Odogu. C'est ce que tu dois faire. Grand frère. Hmm? Grand frère. Hmm? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est ça ton problème. Hein? Maman et toi, vous ne courez que derrière l'argent. Et rien d'autre. Vous ne vous souciez pas de mes sentiments. Vous ne savez même pas si je l'aime ou pas. Je me marierai à celui que j'aime. Que vous le vouliez ou pas. Que j'aime n'importe quoi. Hein? Que j'aime n'importe quoi. Nous sommes là en train de parler de Dogu, de venir de cette famille. Et te voici en train de parler de l'amour, du n'importe quoi. Hein?
Tu penses que nous sommes encore ces jours où les gens épousaient les gens à cause de l'amour? Non. Nous sommes maintenant au 21e siècle. Les gens se marient pour de l'argent. Oh oui. Tu m'entends? Avec de l'argent, tu peux acheter de l'amour. Avec de l'argent, tu peux acheter de la joie. En fait, avec l'argent, tu peux acheter tout ce que tu veux. Alors j'ai dit que tu vas l'épouser. Comme étant la tête de cette maison. Et comme étant l'homme de cette maison, j'ai déjà parlé. Point final. Mon frère, viens, laisse-moi te dire un truc. Va trouver les tracteurs et avec un fil, attache mes mains et mes pieds. Emmène-moi en ville par force. Parce que je n'irai pas. Je ne marierai pas cet homme. Et il n'y a rien que maman et toi, vous ne puissiez faire à propos. Tu sais ce que je suis capable de faire, non? Regardez-moi celle-ci. On veut t'aider et tu ne veux pas t'aider du tout. Hein? N'importe quoi. C'est Odogo que tu vas épouser. Odogo viendra aujourd'hui. Maman, arrête. Odogo viendra aujourd'hui. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi. Je vous demande de me laisser tranquille, je vais mourir. Maman, laissez-moi mettre fin à ma vie. Je me marierai avec lui. Oui, maman, je te le promets. Je me marierai avec lui, j'accepte. Oui. Maman, pitié, es-tu sûre? Je n'ai pas envie de mourir dans la pauvreté. Maman, si toi, tu n'acceptes pas de l'épouser, laisse-moi me donner la mort. Non. J'accepte. Je me marierai avec elle lui. Elle a dit oui, non? Prends le couteau, grande sœur. Mais elle refuse de donner. Prends le couteau. Maman, tu veux l'épouser. Laisse ça. Tu veux l'épouser. Oui, je vais me marier avec lui. Allez, maman. Laissez-moi mourir. Arrête ça, maman. Laissez-moi mourir, je vous en prie. Je vous demande de me laisser. Cache ça, allez. Ah non, maman, on va te rendre heureuse. Nous allons nous marier aux hommes riches. Des hommes riches. Bon après-midi, monsieur. Ah, belle ange, comment ça va? Je vais bien, merci. D'accord. J'ai accepté de me marier avec toi. Dis-le encore. Je dis, j'ai accepté de me marier avec toi. Hey, ça c'est une bonne nouvelle. Viens là. Viens, mon ange. Et où? Je sais ce dont ton corps a besoin. Eh oh! Hein? Prends, je vais te gâter avec l'argent. Je veux que tu dépenses mon argent. Hein? C'est le temps de m'occuper de ma beauté. Ne m'appelle pas, Ne m'appelle pas, Mon beau-fils, tu es déjà là? Hein? Tu lui verses de l'argent. Bouffe mon argent. Qu'est-ce qu'il y a? Régis-toi de mon argent. Odogu. Odogu. Maman. Qu'est-ce qu'il ne veut pas comme ça? Je gaspille l'argent sur ma femme. Tu donnes à ta chérie. Hein? Ah! Prends ça. Hein? C'est l'argent de Odogu. Bouffe Odogu, mon argent. Odogu. Je veux que. Hein? Mets ça ici. Mets ça ici. D'accord. Mets-moi ça ici. Hein? Je ferai tout pour toi. Hey. Hein? Oh. Ma belle. Embrasse-moi. Viens là, ma belle. Viens. Hey. Embrasse ton homme avec amour. Incomparable. Odogu, l'homme fort. Je suis homme fort. Merci quand même, maman, d'avoir tout fait pour que j'aie ma femme. Hey. Bébé, ne t'en fais pas. Je vais changer ta vie. Tout ce que tu as toujours voulu, c'était son argent. Tu t'es jamais soucié de connaître ses origines. Tu n'as jamais voulu savoir les gens de business qu'il faisait, maman. Regarde-moi maintenant. Je suis devenue veuve. Veuve? Comment? Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Ma sœur, hein? Je n'ai jamais su qu'il faisait les trafics d'êtres humains. Oui, il était un trafiquant. Hé! Hein? Tais-toi! Comme si tu ne le savais pas. Hein? Ils vendaient aussi de la drogue. Hey. Hey, wo. Hey. Il y a de cela deux jours, il était parti dans ses opérations et il a été tué. Hein? Le pire dans tout ça est que le gouvernement a saisi son cadavre
et il refuse de me les donner. Ses propriétés, ses voitures, tout est parti. Hey! Tout ceci est arrivé à cause de toi, maman. Tu m'as forcé dans ces mariages. Tu m'as forcé à me marier à Odogu. Sois heureuse. Je suis revenue au village. Retour à la case du départ. Tu sais quoi? Sois prête. Sois contente. Régale-toi. Ça, c'est dangereux. Ah, Odogu. Odogu, qu'est-ce que tu as fait? Un trafiquant. Tu regrettes? C'est fini. Tu as dit? C'est fini. Attends un peu. Qu'est-ce que j'ai entendu? Donc, elle n'a même pas épargné. Essaye d'imaginer un peu le genre de... Ah, dis, ferme-la! Ah! Mais ça, c'est quoi encore? Pendant tout ce temps qu'elle a vécu avec son homme, elle n'a pas épargné l'argent. Elle n'a même pas un compte. Et ya, hey, hey! Cette fille est si bête comme ça. La vie est difficile. Très difficile. Olochi, tu peux me répéter ce que tu as dit en avant midi aujourd'hui? S'il te plaît, maman, qu'est-ce que c'est? Pourquoi ne peux-tu pas me laisser tranquille? Pourquoi ne peux-tu pas me laisser tranquille? Pourquoi ne peux-tu pas me foutre à la paix? De quoi est-ce que tu t'es soucié? Après tout, tu étais très occupée en cherchant les sacs de l'argent. Tout ce qui t'intéressait, c'était l'argent. Tu ne te souciais pas de moi. Je n'étais pas ta priorité. Alors pourquoi tu te sens dérangé? Ton fils Emeni qui revient du prison, l'as-tu demandé pourquoi il a été arrêté? Non! Tu ne l'as pas fait. Mais sinon, laisse-moi te rafraîchir la mémoire. Quand Odogu l'avait emmené en ville, il lui remettait de la drogue pour qu'il aille faire des livraisons. Et il a été arrêté. La police l'a emmené en prison. Oui, Odogu l'a couvert. Il m'a voire même menti à propos de ça. Alors dis-moi, de quoi est-ce que tu t'es soucié? Qu'est-ce que tu veux? Maman, tu es méchante. Tu es avide. Tu es une égoïste. Dis-moi, combien de mères feront cela à leurs enfants? Ton envie d'avoir l'argent a gâché ma vie. J'espère que tu t'es réjoui de cette situation. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ton problème? Ça ne va pas chez toi? Et tu le sais, la faire ces genres d'affaires? D'autres personnes ne les font pas. Ah ah! Le même genre d'homme que les autres sont à la recherche, que ce jeune femme cherche à épouser. Et tu es là à te plaindre. Tu n'es même pas reconnaissante. Tu n'es pas reconnaissante, idiote. N'importe quoi. C'est... Toi aussi, laisse-moi passer, vous êtes toutes pareilles. Les oiseaux de même plumage. Grande sœur, as-tu entendu? Écoute ce qu'elle vient de me dire. Grande sœur. Calme elle ne se soucie même pas de moi. Elle est toujours comme ça. Mais tu ne peux pas la suivre. Tu dois te calmer. Relaxe un peu. Sois tranquille. Non. Tu ne peux pas te faire du mal. Il ne faut pas le suivre. Allez, c'est bon. Je te dis, je le sais très bien. Akachi doit être quelque part. Je te dis... Comment est-ce qu'il peut disparaître subitement comme ça? Qu'est-ce qui te pousse à dire ça? Hein? Ça fait des mois depuis qu'elle a disparu et nous n'avons pas de ses nouvelles. Même pas. Il n'y a pas de nouvelles, oh. Mais moi, je te dis, tu sais, oublier quelqu'un que tu as beaucoup aimé, c'est très difficile. Il est parti juste dans les calmes comme ça. Tu peux t'imaginer, c'est pas du tout facile. Et personne, je te dis, personne parle de lui, je te dis. Ah ah, même sa famille? Personne, oh. C'est bon, ma soeur, c'est bon.
et que tu dois avancer avec la vie. C'est mieux que se marier et par après se retrouver veuve. C'est toi, Itché? Ok. Uchu. Ok. Tu es devenue très belle. Merci. Où étais-tu passée? Tu as juste disparu. J'étais allée laisser les chaussées de Gunapa. Regarde-toi. Ah! Oh, Dieu! Oh, non. Hey, Oli, celui-ci, c'est mon meilleur ami. D'ailleurs, il était mon petit ami de l'école. Comment ça va? Salut, comment ça va? Et tu es ma petite soeur que je t'ai toujours parlé, Olichi. Ok, enchanté, Olichi. Ah oui, comment tu vas? Je vais bien, et toi? Je vais bien. Où est-ce que vous partez avec ces bois? Nous rentrons à la maison, on était venus chercher le bois de chauffage. Laissez-moi les transporter. Non, t'as que fraîche comme ça. Arrêtez non. Mesdames. Je veux les transporter. Je vais d'abord passer à la maison, déposer mon sac, et après ça nous allons aller. Peux-tu les faire comme ça? Allez, c'est bon. Oui, c'est ça. Ok, je vais les transporter. Oh, enfin, tu rentrais. Je suis contente de te revoir, oh. Oui, dis-moi, comment ça se passe? Comment va tout ça? Très bien, oh. Tout le monde va bien, je suis content. Tu m'as beaucoup manqué. Dis-moi d'abord, qu'est-ce qui s'est passé? Je viens de l'école. Moi, j'ai arrêté ce matin. J'étais parti faire des examens finaux et tout. Je voulais trouver un moyen de communiquer avec toi. Parce que je suis un homme sérieux. Tu connais comment je suis. Je sais. Moi aussi, oui. J'essayais d'écrire, j'essayais d'appeler, mais toujours sans succès. Et je ne savais plus par où commencer. Es-tu sûr? Tu m'as manqué, non? Tu m'as manqué. Ta tête m'a manqué. L'autre. Et tu le sais très bien. Mais oui, je t'ai dit. Bien, dis-moi, qui est devenu ton petit ami après que nous nous ayons perdu de vue? C'est tout ce que tu trouves à me demander? Tu ne peux pas me demander une telle chose. Pourquoi tu me demandes une telle chose? Pourquoi? Avec les gens, oh. Arrête de blaguer, tu aimes trop ça. Hey, bienvenue maman. Soyez la bienvenue maman. Quoi? Maman, comment s'est passé le marché? Maman, tu te rappelles de Okodi, mon ami de l'école? Soyez la bienvenue maman. Obian Uju. Maman. Je veux te voir derrière là-bas la cuisine. Ok, maman. Ta maman n'a pas changé. Hein. Celle-là, elle ne va jamais changer. Laisse-moi la voir, bien. J'arrive. Hein. Je t'apporte d'accord. Aussi quelque chose. Hein. D'accord. Ok? D'accord. Celle-là ne change pas. Hey, mon Dieu, c'est quoi? Maman, tu dis quoi? Ma fille, maman, j'espère que ce n'est pas ce à quoi je pense. Ce que j'ai vu, j'espère que ce n'est pas ce à quoi je pense. Mais ma... Ce monsieur-là est inutile. Qu'est-ce qu'il fait dans ma parcelle? Maman... C'est juste un jeune homme innocent, maman. Ça fait très longtemps que nous ne sommes pas en contact. Il vient de rentrer au village. On s'est rencontrés en cours de route. Et on a parlé et il est venu me voir. Oh, et après, qu'il revienne dans le calme. Qu'est-ce qu'il y a avec toi? Parce que quand je venais, à l'extérieur là-bas, je n'ai pas vu une Jeep. Je n'ai pas vu une moto.
Je n'ai même pas vu un tricycle, sans parler même d'une pousse-pousse. Donc, il ne vaut rien. Pardon, pardon, pardon. Tu sais combien je suis allergique à la pauvreté. On s'est compris, ma fille? Oui, maman. C'est bien. Je ne veux plus me répéter. Ok, maman. As-tu fini? Parce que je dois rentrer là-bas. On était en train de discuter. Quelle discussion stupide peux-tu avoir avec un homme pauvre? Est-ce que tu peux faire entrer ce que je t'ai dit dans ton cerveau? Mon ami, prends ces histoires, va allumer les feux et mets-moi la nourriture au feu. Maman, laisse-moi finir avec lui. Il est en train de m'attendre. Laisse-le rester là-bas. Le temps qu'il va traîner là-bas à l'extérieur, il va comprendre qu'il n'est pas aimé ici. Il va comprendre que tu ne vas plus retourner là-bas. Prends-moi ces histoires, allume le feu. Non, maman, arrête ça. Tu ne sais pas ce qui peut arriver demain. Oh. Demain? Que la foudre s'abatte demain. Hein? Les gens qui ont l'avenir demain sont ceux-là qui sont prospères. Moi, tu as vu celle-là qui est rentrée main vide. Elle est liée à la pauvreté. Voilà comment elle est revenue. N'importe quoi. Tu me dis que j'ignore le lendemain. Le lendemain pour une personne pauvre. Tu sais, toi, si je te voyais là-bas à l'extérieur, hein, tu vas voir combien moi je vais me charger de toi. Allez-moi ce fait là-haut. Oui, maman. Maman, laisse-moi t'aider. Allez, quitte là, c'est quoi? Quitte ici. Et où? Un pauvre. Pourquoi tu viens ici? J'étais venu. Je... Ferme-la. Je veux juste que tu pars. Pars. La pauvreté qui parle en toi. Allez, quitte ici. Si je te voyais encore ici, tu verras. Ne viens même pas pour n'importe quelle raison. Allez, disparais de ma vue. Regarde comment il me regarde. Tu veux que je meure pauvre? Tu n'as pas remarqué qu'elle est tellement jolie? Que je te vois encore ici? N'importe quoi. Et une personne qui respire la pauvreté. Cet enfant va vraiment me tuer. N'importe quoi. Ojo. Hé, hey, Okwe, je m'en vais au marché. Oui, moi aussi, je vais prendre quelque chose là-bas. Ah ok, allons-y ensemble, comment tu vas? Je vais bien. Es-tu sûr que tu me suivais pas? Non, c'est une coïncidence. Es-tu sûr? Ok, allons-y. Est-ce que tu te souviens, ok, de cet endroit, sous cet arbre? Ici, c'est là où tu m'as demandé de devenir ta petite amie il y a quelques années. Oui, c'est correct. Et je suis content de t'aimer encore. Je suis très content que tu es toujours célibataire. Je suis toujours célibataire. Je veux juste qu'il se passe quelque chose entre nous. Parce que je t'aime toujours. Et mon amour pour toi n'a jamais changé. Je ne suis pas en train de plaisanter. Je suis très sérieux. Bien. Je ne peux pas nier que j'ai aussi de l'amour pour toi. Et j'ai promis d'être pour toi pour toujours. C'est maintenant que tu parles. Voilà que nous entrons sous cet arbre. Tu vois, cet arbre. Pourquoi c'est un très bon endroit? C'est un très bon endroit. Non. Tous ces souvenirs. Non. Ta mémoire est bonne. Nous les avons laissés derrière nous. Ah. Ah, mon ami, reviens! Oh, maman. Bon après-midi, maman. C'était quoi ce que je t'ai vu faire avec cet étranger? Maman, tu ne te fatigues pas? Hein? Tu ne te fatigues pas? Laisse-moi te dire quelque chose. Je ne vais pas te permettre de me dire ce que je dois faire avec Oluchi. C'est avec toi. Tu veux toujours te poser à mon bonheur. C'est quoi ton problème? Je ne vais pas te laisser faire. C'est cette fille qui me parle.
Attends, oh. C'est à moi qu'elle dit tout ça. Grande sœur. Oui. Je t'avais dit ceci. Je n'arrêterai pas de te le dire. Fais ce qui te rend heureuse. Suis ton cœur. Ne presse pas attention à maman. Elle n'a pas le droit de décider sur comment ou avec qui tu vas te marier. Ne commets pas la même erreur que moi. Je ne peux pas, oh. Je l'avais déjà dit. Tu dois te battre pour ton bonheur. Je l'avais bien dit. Elle ne peut pas me dire ce que je dois faire. Il ne peut pas essayer avec Okudi. Okudi est un bon garçon. Tout ce que tu veux, il le fait. Tu m'as comprise? Hein? Si elle ne veut pas, c'est son problème. Il m'a proposé et j'ai accepté. Hein? T'es sérieuse? Mais oui. Hey, grande sœur. Je ne peux pas abandonner cet homme. T'as raison. Maman, elle n'a qu'à aller chercher son homme riche ailleurs. Je t'en prie, suis ton cœur. N'écoute pas ce qu'elle dit. Laisse-moi, elle ne veut pas accepter. Hé! Hey! Tu veux t'asseoir où? Hein? Tu viens pour t'asseoir où? Mon ami sort de ma parcelle, c'est quoi ça? Maman, arrête, non? Qui? Maman, pourquoi tu fasses quoi? Ça, s'il te... Hein? Pourquoi tu fasses quoi, idiote? Hein? Oh, tu es toujours là. Hé, hein? Manique! Hé, Manique! Je peux voir, Manique? Hé, Manique, mon fils, oh! Hé, Manique! Tu n'as pas vu Ménike? Il est derrière la maison. Hé, Ménike! Maman! Viens! Viens voir ce jeune garçon qui... Oh, il a fui! Il a fui! Non, non! Il devait rester! Maman! J'arrive! Maman, c'est quoi le problème? Qu'est-ce un garçon stupide que c'est là amené. Il m'a insulté. À me disant de se calmer. Maman, il ne t'a pas insulté. Ferme, là, je vais te taper. Il est où déjà? Moi, me calmer, comment tu peux amener un homme pareil? Un nul! Mais maman, il t'a pas insulté, il n'a rien fait du tout. Juste parce que moi, je l'ai cherché. Il m'a insulté. C'est vrai, ça? En me disant d'être calme. Maman, je suis folle. Il est où déjà? Il est parti. N'importe quoi. Comment tu peux ramener ce genre de personne ici? Ton visage ressemble à quelqu'un qui n'aura pas d'argent. Au nom de Jésus. Pour que moi, j'accepte la pauvreté. Comment? Qui a fait ça? Il est parti, mais elle est là. S'il te plaît, elle a causé. Écoute ce que maman dit. Elle ne veut pas que tu suives tous ces petits villageois. Écoute ce que maman dit. Arrête de suivre tous ces petits villageois. Grand frère, es-tu obligé de les traiter d'un villageois? C'est qui parle? Ferme-la, tu n'as rien. Elle n'a rien ramené dans cette maison. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que toi-même tu es mieux placé à parler? De ce que tu peux parler, hein? Tu t'es bien regardé? Regarde-toi. Est-ce que tu es riche, toi? Tu t'es regardé toi-même? Mais je sais que je ne suis pas riche. C'est pourquoi je veux que tu aies de la famille. Ferme-la. C'est quoi? On te traite d'une personne pauvre et tu l'acceptes? Hein? Maman, je ne sais quoi dire d'autre. Eh oh, c'est quoi ça? Toi là, hein? Fais attention. Maman, tu dois arrêter ça. Tu dois vraiment arrêter. Oh, je vais maman, te gifler, mais attention. C'est quoi ton problème? Tu tapes maintenant tout le monde, oh. Toi, tu l'auras en collection. Tu l'auras à gogo tant que tu seras toujours stupide. Écoute ce que maman dit, oh. Que je vois encore ces garçons stupides ici. Écoute, en fait, et comme toi, l'homme de cette maison, de écoute ce que maman dit. Mais toi, va chercher de l'argent pour nous apporter. Comme l'homme de cette maison, écoute ce que maman dit. Comme le père de cette maison, écoute ce que maman dit. Écoutez, maman. C'est pas juste. Tu n'as même pas honte. Tu n'as pas honte. Au lieu d'aller chercher l'argent, tu n'es là que pour suivre, maman. Tu ne fais rien de bon si ce n'est que boire de l'alcool. Ma soeur. Va lui voir comment est-ce qu'elle m'a frappée. Elle m'a aussi frappée. J'ai eu mal. En plus, il m'a frappé devant mon petit ami. Du calme. Ok. Chief! Hey, comment Chief, comment ça va? Je veux bien. Hein, je t'ai vu comment tu regardais la voiture. Chief, je ne connais pas celle-là. Tu sais que
Tu as toujours changé de voiture. C'est ça le problème. Hey, qu'est-ce que tu viens faire dans notre village? Tout va bien, tout va bien. Je désolé pour ton beau-fils. J'ai appris ce qui lui est arrivé. Hein? Qui pouvait croire que les jeunes hommes pleins d'avenir pouvaient finir comme ça? Hey, c'est dur. Oh. C'est vraiment difficile, oh, Chief. J'ai tout remis entre les mains de Dieu. Ouais, Dieu connaît tout. Alors, où vas-tu? À la maison. Oh, viens, je te dépose. Ce n'est pas un problème. Vas-y. Oui, va doucement. Hey. Chief Amakao. La vie est toujours comme ça. Aïe, aïe, aïe. En tout cas, accepte mes sincères condoléances. Oh, remercie Dieu parce que tu es encore jeune femme. Tu peux encore te marier. Ouais, ça c'est évident. Ma seule prière est qu'un homme riche vienne l'épouser. Comme ça, ils vont partir. C'est bon. Chief, s'il vous plaît, qu'est-ce que je vous offre? Ne te dérange pas pour ça. Je suis en train de chercher quelqu'un dans ce village. C'est qui? Ogechi. Ogechi, Gechi. Elle est de quel village? Honnêtement, je ne sais pas. Elle n'est pas assez large, grande avec de rondeur. Elle travaille comme bonne à Lagos. Olochi. Oh, maman. Peux-tu connaître un Ogechi qui travaille à Lagos? Ogechi? Non, maman, je ne connais pas d'Ogechi. Hé, hey, Chief. Je souhaiterais que vous connaissiez son autre nom. Plusieurs personnes dans ce village peuvent porter le même nom. Je suis désolée. Attends un peu. Est-ce qui? Obien Uju! Uju! Maman? Hi! Nous allons t'aider à demander dans le parage pour connaître. Ma belle, tu peux... Bon après-midi, monsieur. Bon après-midi. Tu peux connaître une certaine... Connaître une certaine Ogechi, qui était une femme ménagère. Elle travaillait à Lagos. Maman, je ne pense pas que je connais ce nom d'Okechi. C'est vrai. En tout cas, je ne me rappelle plus. Il n'y a pas moyen que tu la connaisses. Avant qu'elle soit née. Oui. Ok, ce n'est pas un problème. Nous allons vous aider à vous renseigner. Oui, oui, oui. Mais Chief, pourquoi cherchez-vous cette femme? En fait, je l'avais prêté de l'argent. Oui, oh. Ojeli, puis-je te parler en privé? Oui. Oui. Chief, Chief! Chief, Chief! Le grand boss est là. Allez, je suis là. Allez. Chief, Chief, je suis là-haut. Emenik, n'est-ce pas? L'homme de cette maison. Mon fils, on veut un peu parler en privé. Maman, s'il te plaît, je vais être là. Chief, Chief! Pardon. On fait causer. Discutez dans la maison de qui? Sous la permission de qui? Emediko, laisse-moi. Hey, tu veux venir nous voir ici chez nous? Hey, il faut garder, garde ça. Ne lui donne pas. Ne t'inquiète pas. Donne-moi ça. Non, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Mais maman, tu veux que je... Emelie qui prend cet argent. Chief. Maman, vous pouvez continuer. Pas moi. Avec ma permission, vous pouvez continuer. Chief, bienvenue chez nous. Hein. Pas. Qu'est-ce que vous voulez? Toi, tu ne vas pas me déranger. Vous voulez toujours me déranger.
Cet argent-là, c'est beaucoup. Ne t'inquiète pas pour ça. Ne t'inquiète pas. Ok. S'il te plaît, je veux aller tout droit au but. Ok. J'aime ta fille. Et je veux l'épouser. Vous êtes même permis à les épouser toutes les deux. Mais si c'est une que vous voulez... C'est laquelle? Obianuju. Maman. Tu fais venir demander ta main en mariage. Hein? Maman. Viens-tu vraiment de dire ça? Tu m'as bien entendu. Maman, franchement, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux dire par je ne comprends pas? Hein? Vraiment. Maman, est-ce que tu portes de l'eau dans ta je bouche? Je ne comprends pas. Fais d'abord un. Il n'y a pas de l'eau dans ta bouche. Qu'est-ce que tu n'arrives pas à comprendre? Il y a ceci. C'est Chief qui a demandé ta main en mariage. Si tu ne comprends pas, Chief va t'épouser. Grand frère. Grand frère. Ah ah. Allez, calme-toi. Ah. Vous êtes en train de blaguer. Quel jet? Vous n'êtes pas sérieux. Ah. Ma fille, c'est pas de la blague. Et je suis vraiment heureuse que ça ne soit pas de la blague. Oh oui. Obianuju. Arrange ton... On appelle ça comment? Ton qu'est-ce maquillage. Qu'est-ce qu'elle ne comprend pas? Quand Chief va bientôt arriver, sois juste prête, oh, ma fille. Apprête-toi. Maman, t'es méchante. Essaie de prendre ta décision, hein. Apprête-toi déjà. Apprête-toi déjà, il n'y a pas assez de temps. Que j'aille déjà laver mon mortier. C'est méchant, je suis de l'autre côté en train de laver mon mortier. Ma petite sœur. Ma sœur. Comme ça, ma mère veut que j'épouse ce vieil homme. Hein? Tu vas dans cette maison. Si tu la laisses faire, elle va te pousser à te marier à ce vieux. Elle ne changera jamais. Maman ne changera jamais, mais tu vois, cette fois-ci, elle verra la vraie folie. Elle ne se rappelle pas de ce qu'elle m'a fait. Elle m'a forcé à me marier au Dogo. Elle ne se soucie de rien. Elle n'a même pas cherché à connaître sa famille, ni les gens de boulot qu'il faisait. Elle m'a juste forcé à me marier à ce type. Mais t'inquiète pas, tu ne te marieras pas à un vieux, aussi longtemps que je serai en vie. Tu sais que cet homme peut être plus âgé que notre père. Mais je le sais bien. Ah. Grande sœur. Dans cette maison? Je ne le permettrai pas dans cette maison. Je ne l'accepterai pas. Maman doit changer d'avis. Sinon, elle verra mon autre visage. Elle verra la bête en moi. Ma sœur, mon retour au village, ne dis absolument rien à maman. Je te soutiens à 100%. Elle ne te forcera pas à épouser ces vieux. Donc, t'inquiète pas. T'as pas besoin de paniquer. Hein? Je te soutiens. Je serai là pour toi. Franchement. Tu sais, Chief est vraiment un bon ami pour moi. Un homme que je respecte beaucoup. Alors quand il m'a dit qu'il avait besoin de t'épouser, j'ai été ravie. Ma chère, tu n'as rien à t'inquiéter, d'accord? Je prendrai vraiment bien soin de toi. Je suis désolée, monsieur, mais je ne suis pas intéressée. Tu n'es pas quoi? Es-tu malade? Tu es folle? Il n'y a pas là! Chief! Ne faites pas attention à elle, vous connaissez le fils de nos jours. Hein? Ne vous dérangez pas. Ce n'est pas un problème que je ne peux pas résoudre. Ok. Oh? Hein? Je crois que tu essaieras de la faire raisonner. Chief, quand je vous dis qu'il n'y a pas de problème, il faut juste me croire. Ok, je dois partir. Je suis toujours à la recherche de la femme dont je t'avais parlé. À part l'argent que je lui ai prêté, elle a aussi quelque chose d'autre à moi. Ok. C'est pas ça. De problème, monsieur. Prends bien soin de toi. Hein? Elle le fera. Okay. Oui, merci. Oui. Merci. Et toi? Es-tu folle? Qu'est-ce que tu viens de faire? Maman, elle n'est pas folle. Tu m'as entendu? Elle n'est pas folle. Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? On ne peut plus avoir la paix dans cette maison?
quand tu t'es marié à notre père, est-ce qu'il t'avait forcé? Demande-lui. C'était par force? Demande-lui, oh. Hein? Est-ce que demandez c'était qui? Par force? Demandez qui? Hein? Restez là. Je vous dis de rester là. Restez là. Attendez-moi là. Oh, vous voulez la réponse? Pourquoi alors courir? Attendez, je vais vous répondre. Vous pensez que je suis heureuse aujourd'hui? Je ne suis pas heureuse. Je ne suis pas heureuse de la pauvreté. Je souhaiterais écouter ma mère. Ma mère a voulu que j'épouse Elouzona. À cause de l'amour, j'ai dit non, je vais épouser votre père. Hein? Elouzona, aujourd'hui, vit le bonheur. Aujourd'hui, il est à Abuja. Et après? Où suis-je? Hein? Qu'en est-il pour moi? Dans ce même village. Champion du village Aboulmoucha. À cause de l'amour. Voilà pourquoi j'ai juré qu'aucune de mes filles va épouser un homme pauvre. Toi, derrière le dos de ta soeur, tu es là juste en train de parler. Hein? Attends, tu verras. Maman, est-ce que tu connais l'avenir de cet homme? Et tu parles parce que vous pensez... Parce que vous pensez que vous avez la bouche. Tcha, idiote. Oh bien, Nuju, laisse-moi te voir encore avec ce jeune homme-là. Et on verra si c'est toi qui es ma maman ou c'est moi. Regarde-moi ces emphases, imbécile. Ah ah, je ne veux pas mourir dans la pauvreté. N'ose même pas, je te dis. Que je te voie. Hey, mes folles. Venez enlever ces chaises, vite. Ah ah. Obia Nuju. As-tu déjà entendu parler de l'histoire du corbeau et le renard? Oui, bien sûr, et tu lui ressembles. Le corbeau et les renards. Allez, arrête ça. Arrête, s'il te plaît. Tu as l'air d'un corbeau, tu sais. Mais pourquoi tu ne veux pas que je continue? Sinon, tu auras l'air d'un flatteur. Chérie, tu sais que je serai très riche, que maman ne sera plus de télé moi. Je te l'assure. Moi, je le sais. Voilà pourquoi ah, je vais... Laisse-la agir comme ça. Ça va aller. Tu sais, les jours que j'aurai de l'argent, maman va m'accepter. Tu sais quoi? Je serai un homme fortuné, moi, là. Oui. Es-tu sûre, chérie? Je le suis sûre. Ouais. Attention, maman peut débarquer. C'est un problème. D'après ce que je viens de voir, les deux sont dans un amour profond. Ils sont vraiment dans un amour profond. Je ne sais pas comment sont tes filles. Elle est juste comme la première. Ils sont inséparables. Je ne sais pas pourquoi tes filles se rencontrent facilement avec les hommes pauvres. C'est déjà écrit que ce garçon restera pauvre. Yeah! Écoute, nous devons faire quelque chose. Ok. Nous devons faire quelque chose. Dis-leur où. Hein? Ma fille ne peut pas épouser un pauvre. La pauvreté est une malédiction. Je veux que ma fille épouse un homme riche. Un homme qui peut m'acheter le billet pour aller en Europe pour mes vacances. Pardon, que les pauvres aillent là-bas. Moi, je ne veux pas mourir pauvre. Dis-leur. Pardon. Biko, biko. Dimbuna ndiekede. Dimbuna ndiekede. Isaluna. Soludje. Isaluna. Isaluna. Mon cher Emedike. Oui, chief. Si tu convaincs ta sœur de m'épouser, ce que je ferai pour toi sera inexplicable. Tu vois? J'aime ta sœur. Je vais l'épouser. Convainc-la pour moi. Je vais arranger ta vie. Oui, je vais t'amener à Toronto.
à Toronto. Emenike à Toronto. Dis-moi si tu ne fais pas. Même le diable, il aimerait aller à Toronto. Qui pourra refuser? Hey, Chief, va déjà t'apprêter pour le mariage coutumier. C'était marché conclu. Oui, informe déjà assez de ta famille. Puis donne-nous une date. C'était marché conclu. C'est juste comme un match de Barcelone contre Tottenham. Nous connaissons déjà le score. En tout cas, je confesse à toi. Peu importe. D'accord, pas de problème. Ma sœur Oudjo t'appartient déjà. Bon après-midi, messieurs. Bon après-midi, mon frère. S'il te plaît, je cherche une fille un peu particulière. Elle. Ugeti. Elle vient pratiquement de ce village. Elle est de notre village? Oui, à Manco. Je pense. À Manco. Alors bien, ça dépend de quelle famille tu veux aller. Mais à Manco n'est pas si loin d'ici. C'est juste sur cette rue. Bien, tu prends l'avenue qui est à ta gauche. Et par là, tu vas demander à un groupe de personnes qui sont là-bas. Ils vont te montrer ton adresse. Ok, cette route. Oui, cette route, bien sûr. Ok, il n'y a aucun croisement particulier. Il y a un croisement à ta gauche. Ok. Et vous allez rencontrer un groupe de personnes qui vont vous aider à trouver votre adresse. Ok, merci beaucoup. Mon frère. Moi, monsieur? Oui. Une seconde, s'il te plaît. Désolé d'avoir dérangé. Je suis en train de chercher une personne qui est de ce village. Oui, c'est Manco. Oui, je cherche Ogechi. Ogechi. Ne connaissez-vous pas leur adresse? Parce qu'il peut y avoir des familles qui portent les mêmes noms. Honnêtement, je ne sais rien. Raison pour laquelle j'ai conduit dans toutes les directions pour demander aux gens. Essaye de trouver les noms de leur famille. Comme ça, ça sera plus facile de les trouver. Merci. Merci. Je vous en prie, messieurs. Ok. Franchement, je ne suis pas sûre qu'il est parti pour des bons. Non. Je ne pense pas, ma belle. Tu allais les voir si c'était le cas. À très bientôt, cette femme. S'il te plaît, arrête de me toucher. Comment allez-vous? Écoutez, il y a quelque chose de très important que j'aimerais t'en parler, Oudjou.
Tu as l'air trop sérieux. Oh. C'est très, très important. Je t'écoute. Parle, je t'écoute. Bien, tu vois. Eh, mais en fait, Uju, je veux te supplier. Oui, avec tout ce que tu as au fond. Ok. Accepte d'épouser Jeff. Hia, écoute-moi ça. Épouse Jeff, Uju. S'il te plaît, essaye de faire ça pour moi. Attends, confrère, c'est comme si le chômage a vraiment affecté ton cerveau. Ah. Oui, parce que c'est pour ça que tu n'as plus rien à faire, ni plus rien à dire. Tu n'arrives même plus à bien réfléchir. Tu la supplies pour qu'elle accepte de se marier à Chief. Donc c'est vraiment ça le boulot que tu as trouvé. Je ne m'adresse pas à toi pour l'amour du ciel. Uju, s'il te plaît, ne laisse pas nous distraire. D'accord? Je t'en supplie. T'es marié à Chief. C'est beaucoup de bénéfices. D'accord? Écoute, il m'a même promis de m'amener à l'étranger. Et après quoi? Et aussi, m'est propulsé. Hey, hey. Tu vois? Tu es l'être humain le plus égoïste et confus que je n'ai jamais rencontré de toute ma vie. Dis-lui. Ça va pas tenir. Tu vois, toi, tu es inutile. Te voilà assis là, en train de me dire d'épouser une personne qui peut être plus âgée que mon père juste parce qu'il a de l'argent. Hey! Écoute-moi très bien, Uju. Peut-être que tu n'arrives pas très bien à me comprendre. Écoute, il y a beaucoup de bénéfices dans ça. Épouse Chief, ne permets pas que ton ancien mari... La ferme! Tais-toi! Si tu n'étais pas mon grand frère, je l'ai insulté comme pas possible. Oui. Hein? Qu'elle s'est mariée à Chief? C'est à moi que tu viens de dire tout ça. Oui, ferme ta bouche. C'est quelle bêtise ça? Je vais te donner une très très bonne chance. Frappe-moi. Allez. Si tu ne quittes pas cet endroit, Olutier et moi, nous allons te botter les fesses. Oui, on le fera. Vous n'allez jamais aller de l'avant. C'est quoi ça? Quittez-moi là. Pense à ça, oh. Regardez-le. Il n'a même pas honte, celui-là. Regarde-toi. Je vais te... Ne me touche pas. Quitte là. Quitte ici. Pense plutôt à ta vie. Ma soeur, je ne sais pas pourquoi on l'a libéré de prison. Il aurait dû rester là-bas. Ce garçon est stupide. Vous parlez d'ailleurs comme si vous... T'en vas pas, reviens. Toi, après avoir risqué avec cette femme de trafic de drogue, tu es rentré ici ma vie. Je ne te blâme pas. Tu es vraiment inutile. Dans cette maison, très inutile. Maman et toi. Hey. Il n'a pas... Regardez-moi ça. Tu devrais avoir honte. Quelle force ça bat sur toi. Calme-toi. Calme-toi. Ça va aller. Pourquoi, assieds-toi. Mon Dieu? Pourquoi? Seigneur, tu n'es pas bon. Tu veux commencer Seigneur, à pleurer. Tu m'as oublié. Moi aussi, je me mettrai à pleurer. Qu'est-ce qui m'arrive? Calme-toi. Ce n'est pas du tout bien. Ce n'est pas du tout bien. Ne commence pas. Qu'est-ce qui m'arrive? Arrête. Pourquoi m'abandonner? Maman ne réussira pas. Tais-toi. Seigneur. Tu l'as vu? Non, maman. Tu n'as rien vu? J'ai très bien regardé. Je fouillais partout. Je ne l'ai pas vu. Je suis même allée la voir chez ses amis, mais rien. Portée disparue? Où peut-elle aller? Maman, pourquoi vous vous dérangez pour rien? Oh bien, je suis une adulte. Elle sait bien prendre soin d'elle. Qu'est-ce que tu veux dire par prendre soin d'elle? Il est quelle heure jusqu'à présent? Elle n'est pas encore revenue. Où va-t-elle passer la nuit? Maman. Peut-être qu'elle est allée voir ses amis. Oui, elle est allée chez ses amis. Tu sais que tu l'avais énervée. Tant qu'elle est allée sûrement chercher la paix. C'est quelle colère ça? Qu'est-ce que j'ai mal fait? C'est quoi ça? Qu'est-ce que je l'ai fait pour qu'elle soit fâchée? Toi aussi, tu es... Tu viens de n'importe quoi. Qu'est-ce que j'ai fait? Maman, bonne nuit. Mais qu'est-ce que c'est? Elle est allée chercher la paix. Regarde-la. N'importe quoi. Yeah. Mais où est-elle? Hey. Est-ce que tu as préparé? Préparé quoi? Emenike, tu n'as pas mangé avant de partir, hein? Emenike, pars encore, pars, non? Va la chercher. Encore aller? Où vais-je encore aller maintenant? Hein? Je ne veux pas que le moustique me tue. La bonne décision serait que j'entre dans la maison. Hey. Reviens, je t'en prie. Hey. Je vais continuer à attendre encore un peu. S'il te plaît, ma fille, reviens. Regarde, tu as vu ce que tu as fait? Tu étais magique.
Écoute, laisse-moi le seul. Hein? Allez, je ne veux pas te tu t'exposer. Sais que ça ne me dérange pas. Hein? Je vais te raccompagner. Oh, je peux aller moi-même, non? Allons-y. J'insiste. Ok. Tu as peur que maman me gifle, hein? Hey! D'où viens-tu? Maman, bonjour. Où as-tu passé la nuit? Je t'ai demandé de me saluer. Où as-tu passé la nuit, Obien Uju? Où as-tu dormi? Donc, tu n'as plus du respect pour ta maman seulement comme ça? Hein? Tu commences à partir maintenant chez différents hommes pour passer nuit. Hé, hey, maman. C'est ça, Obien Uju. Hé, hey, maman, je n'ai pas dormi avec différents hommes. Alors, où as-tu passé la nuit? Okay. Maman, je n'ai qu'un seul homme et il s'appelle Okudi. J'étais chez lui hier, il m'a demandé de passer la nuit. Vu que c'est mon futur mari, j'ai passé la nuit avec lui. Hé, hey, mon Dieu. Qu'est-ce que tu as dit? Hein? Donc, mais qu'est-ce que tu as fait? Où? Maman. Hein? Ah. Tu maman. Étais où? Hey! Oh, Guinédi, mais qu'est-ce que c'est? Elle t'a dit la vérité, elle ne ment pas. Hé, hey, Wam, elle a dit la vérité. Oh. Elle n'a pas menti. Uh-huh. Est-ce maintenant un genre de gang ou quoi? Tu la soutiens maintenant? Pour dire que ce qu'elle a fait est bien, tu encourages le mal. Maman, je ne soutiens pas le mal. Elle vient de dire qu'elle a passé la nuit chez Okudile. Elle doit quand même vérifier si certaines histoires marchent ou pas. Grandeur, ça fonctionne bien. Je te dis, il est très actif. Très, très bien. Ses enfants ici commencent à jouer avec moi, c'est quoi? Ah, donc toi, tu es là, tu veux me prendre... Attendez, vous allez voir. Deux imbéciles. Merci beaucoup pour de l'eau. Ça m'étonne que vous ne miez pas la bière. Je n'aime pas du tout. Je préfère boire de l'eau. C'est bien, monsieur. Oui. Je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi ta fille ne veut pas m'épouser. Et tu avais promis que tu vas parler avec elle. Oui, chief. Oui, je me bats pour réaliser cette promesse. Ok. Parce que quelqu'un m'a appelé en me disant qu'il connaît quelqu'un qui connaît la personne que je suis en train de chercher. Et si je trouve cette personne, ça veut dire que je dois voyager à l'étranger le plus vite que possible. Alors j'aimerais savoir si ta fille sera d'accord. Sinon, dis-moi, je saurai quoi faire. Ah, chief, je suis là pour arranger tout ça. Vous devez savoir qu'elle est déjà d'accord. Elle ne va pas refuser. Accordez-moi juste 2 jours et vous aurez des résultats. Comme tu l'as dit. Ok. Chief. Je vais t'épouser. Il m'a demandé de l'épouser et je dis oui. Oh, grande sœur, je suis très contente pour toi. C'est ça l'esprit. Oh, viens par là. Comme ça, je vais épouser l'homme de ma vie. Oh. Je vais devenir sa femme. Je suis impatiente de quitter en fait cette maison. Ah. Qu'est-ce que vous êtes en train de célébrer? Maman? Okudiri m'a proposé le mariage. Qui? Maman? Obien Uju, qu'est-ce que tu viens de faire? Maman? Je vois comme si je suis enceinte. Tu as quoi? La grossesse, maman. Maman,
Tu deviendras grand-mère bientôt. Tu peux la fermer? Grand-mère avec quel argent? Qui est le responsable? Maman, c'est... C'est beaucoup de riz. Qui est encore... Beaucoup de riz. Ce petit garçon qui était venu ici? Oui, maman. C'est bon à rien? Ou bien nous joue? Va avorter ce que tu portes dans ton ventre. Va faire l'avortement. Maman, maman, tu essaies de convaincre Obianoujou pour qu'elle aille faire un avortement? Désolée, ça ne va pas marcher. Ah ah! C'est ça. Je m'en fous de ce que tu peux dire. Tu peux dire tout ce que tu veux, moi ça m'est égal. Mais ce bâtard-là que tu portes dans ton ventre ne va pas me faire perdre la chance de devenir la belle-mère de Chief. Maman, tu peux imaginer. Maman, là c'est ton problème, oh. Mon enfant n'est pas un bâtard. Il a un père, maman, et nous allons nous marier très bientôt, que tu le veuilles ou non. Écoute ce que maman dit. Oh. Écoute ce que maman dit. Tu ne vas pas bien. Je viendrai la nuit attacher tes mains, attacher tes pieds. Puis je toucherai les pieds de ces bâtards qui se trouvent dans ton ventre. Puis je vais les faire sortir. Toi. Tu ne les feras pas. Tu es un vampire. Tu n'oseras même pas. Je sais que tu es un vampire. Ok. Je sais qu'est-ce que tu peux faire, vampire. Tu as dit que tu vas l'épouser. Où ça? Dans cette maison? Oui. Ma maison? Oui. Tu t'es trompé. Ça jamais. Jamais de toute ma vie. Si vous ne voulez pas que je l'épouse, laissez-moi quitter cette maison. Hein? Quelle maison? Quelle maison? Je vais quitter cette maison. Regardez-moi cet imbécile. Maman, ne la pousse pas à quitter cette maison, hein? Qu'est-ce que tu comptes faire? Toi, j'ai pas le temps pour toi. Quand je me rappelle que je t'ai mise au monde et je t'ai pas coupé cette maison. Je vais quitter cette maison. Tu veux sortir de cette maison? Tu essayes de partir. Maman, venez. Tu es folle. Tu me connais, je m'en fous. Maman, tu ne fais pas ça. Je vais tuer quelqu'un. Vas-y, sors, non? N'importe quoi. Venez au secours. Je vais te tuer, je t'ai dit. J'ai une bonne mémoire. Oui. Oui, c'est ici. Hey, Chief. Chief, bienvenue, messieurs. Où est... Onyeka, qu'est-ce que tu fais chez moi? Je suis invité. Chief, vous connaissez... Vous connaissez? Ojeli, ne me dis pas la femme dont je vais épouser, elle est engagée à quelqu'un d'autre. À qui? Comment? Et quand? Non! Elle n'est pas fiancée, oh! Chief, elle est fiancée! Non, il n'a pas à crier dessus. Je ne savais pas que la personne qu'il était en train de chercher depuis tout ce temps, avec un faux nom, et j'ai appris le vrai nom, et c'était la sœur d'Onyeka. Oui, ma jeune sœur, oui. C'est ma sœur. Qui est là? Allô? Y a-t-il quelqu'un? C'est qui ça? Oh, bonjour, monsieur. Mes salutations aussi. Merci, monsieur. Oui. En quoi puis-je vous aider? Je ne sais pas si je suis à un bon endroit parce que je cherche quelqu'un qui pouvait être ici. Je cherche Oriako. Est-ce que vous la connaissez? Elle s'appelle Ogechi. Elle vient de Lagos. Ogechi? Ok, c'est ici. Ogechi. Il était... c'est ma sœur. Oh bien, donc je suis à un bon endroit. Oui. C'est vos roulas? Oui, c'est ma roulas. S'il vous plaît, prenez place, prenez place. Ogechi m'avait beaucoup parlé à propos de vous. Prenez merci, place, monsieur. S'il vous plaît. Merci. Oui, Ogechi m'avait parlé de vous quand il était retourné avec la grossesse de la ville. Elle souhaitait vous voir, mais c'est la distance qui l'empêchait. Oui, c'est la même chose qui m'était arrivée. Je m'étais dit que je ne me marierais pas tant que je ne l'aurais pas encore vue. Vous savez, je l'aime tellement beaucoup et l'amour entre nous est tellement fort. Elle avait dit qu'elle a été rendue grosse par vous au moment où vous étiez avec votre maîtresse. Oui. Lorsque j'avais su qu'elle était enceinte, je l'avais envoyée. Et j'étais parti à l'étranger. Après tout ça, là, je n'avais plus le temps de la voir. Voilà. Pouvez-je la voir?
Malheureusement, elle est déjà morte. C'était suite à la douleur lorsqu'elle a donné naissance à votre fils. Ah, c'est triste. Oui, elle avait donné l'enfant... Au coup de lit, votre nom de famille. Le nom de... Bien sûr, vous l'avez. J'ai un fils. Oui. Où est-il? Où est-ce que je vais les voir? Bien, aujourd'hui, c'est supposé être le jour qu'il a fixé d'aller payer la dot de la femme qu'il veut épouser. Oh. Il était allé faire les arrangements. D'ailleurs, je m'apprête aussi pour le rejoindre, pour aller ensemble, pour aller payer la dot. S'il vous plaît, puis-je aller ensemble? Affectez-vous que je le voie. Je me demandais, il sera... Je ne sais pas comment il se sentira lorsqu'il me verra. Il sera content de vous voir. Je suis sûr qu'il sera content. Donnez-moi juste 5 secondes. Oui, je suis heureux. Et en même temps, je suis triste. De savoir qu'elle est partie après l'avoir beaucoup cherchée. Je vous comprends. Ne vous dérangez pas. Permettez-moi de finir avec ce que je faisais derrière la maison et je vais prendre main et on va aller ensemble. Ok, hein? Okay, monsieur. Merci. Mettez-vous à l'aise. Je vous reviens. Oh. Je parle des posés derrière. Moi? Mais, Chief! Alors, Chief, tu es... Le père d'Okudiri? Oui, et c'est mon fils. Oui, je suis son père. S'il vous plaît, où est-il? Est-il dans la maison? Non, attends. Laisse-moi te dire, ça fait longtemps que je suis avec lui. Là même, je vous parle, je suis enceinte. Maman, tu vois? Attends. Tu es enceinte de mon fils? Tu es enceinte de mon fils? Oui. Waouh, ça c'est parfait. Remercions Dieu parce que ça n'a pas arrivé. Hey, donc, j'allais épouser ma belle-fille. Tout fier, hein? Oh, en tout cas, je suis content. Je suis vraiment content. Où est-il? Il est dans la maison? Non, monsieur. Attendez, monsieur. Il était supposé être ici depuis le matin, mais je ne l'ai pas encore vu. C'est comme s'il cherche encore de l'argent. Tu dois les trouver. Viens avec mon fils. Je vais lui dire que je suis son père et je l'ai trouvé. Jusque ce matin, je ne savais pas que j'avais un fils. Et je suis sur le point d'avoir un petit-fils. Oui. Cherchez-le. Je vais le bénir. Je vais... bénir votre ignore. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? C'est moi? Maman? S'il te plaît, prends de l'eau. Maman? Oh, grand frère! Prends de l'eau, s'il te plaît! Maman? Maman, s'il te plaît. S'il te plaît, maman. Écoutez, mon frère, elle s'est évanouie suite à l'émotion. Maman? Bonjour, madame. Vous êtes sous arrestation, comme ces trois autres. Arrêté? Pourquoi? Allez, montre ton visage. Est-ce que vous connaissez ces visages? Non. Oh, madame. J'ai dit, est-ce que vous connaissez ces visages? Non. Maman, tu nous connais, non? Toi? Pour la dernière fois, connaissez-vous ces visages? Eh bien, Niké, dis à ta mère de parler. Sinon, je m'occuperai de vous. Fuyons, rapide, fuyons.
Enterrons-le maintenant. Vous avez fait un bon travail. Oh, vous avez bien fait. Oh. Nous sommes des professionnels. Vous avez vu que c'est ce type? Je vis, c'est vraiment bien. Je dois vous donner les restes, c'est ça? D'accord. Et... Maman va... C'est ça, prenez. Vraiment, maman. Hey. Mais je ne peux que dire merci parce que c'est pas facile. Ok. Maman, hein? Ça c'est les affaires. C'est les affaires. La mission est accomplie, maintenant on peut partir. Hey! Qu'est-ce que tu as fait à Tchoukoudi? Hey! Qu'est-ce que tu lui as fait, maman? Tu es tellement méchante. Qu'est-ce que tu as fait à mon fils? Calmez-vous, s'il vous plaît. Essayez de vous calmer. Écoute, pour la dernière fois, dis-nous là où tu as caché ces corps. Tu penses que tu peux tuer quelqu'un et te laisser libre? Ifoma a tout vu. Dis-nous là où tu as caché ces corps. Et toi, ferme-la. Toi aussi, ferme-la. Qu'est-ce qui se passe-t-il? C'est quoi ça? Non, c'est quoi? Quoi? C'est lui. Non. Ce n'est pas possible. Chérie. C'est lui, mon fils. Oui. Dis quelque chose. Dis quelque chose. Calme-toi, ma soeur. Allez. C'est pas ça. Calmez-vous, s'il vous plaît, calmez-vous. S'il vous plaît, calmez-vous. Ça suffit, s'il vous plaît. Calmez-vous. Ça suffit, calmez-vous. Non. Ne faites pas ça. S'il vous plaît, calmez-vous. Calmez-vous, s'il vous plaît. Calmez-vous. Ça suffit, s'il vous plaît. Ça suffit. Hein? Calmez-vous. C'est ce que vous avez planifié avec ces méchants tradis praticiens. Arrête. Nous avons appris tout ce que vous avez fait ensemble. Bien, il est dans notre amigo en ce moment. Odile, pourquoi êtes-vous aussi méchante? Vous avez fait d'une personne humaine tout entière d'un coq. Hein? Et votre fils l'a tout bonnement mangé, pensant que ce n'était qu'une simple poule. Madame, levez-vous. Maman, t'es méchante. Maman, n'aie pas du tout pitié de cette femme. Allez, vous la levez-vous, avancez. On avance. Hey, c'est bien pour toi. Quelle méchanceté, ça. Tu es méchante. T'es méchante. Femme. Avance. Hey. On avance. Avance, vite. Avance. On avance. S'il vous plaît. Hey. Si seulement je te touche. Allez, avance.
toi, tu te prends pour le plus fort, n'est-ce pas? Lorsque je vais m'occuper de toi. Hein? Avancez rapidement, on y va. Allez, rapidement. N'importe quoi. Lève-toi, viens avec tes amis. Maintenant, là, tu n'as plus de force. Hein? Quand tu faisais du mal, tu ne veux pas, tu ne veux pas que je l'aie devenir comme ça. Allez, lève-toi. Je vais m'occuper de toi. Allez, avance. Je vais particulièrement m'occuper de toi. Grande sœur, je t'ai cherché partout. Mais qu'est-ce que c'est? Veux-tu te tuer? Ma sœur, écoute, tu dois arrêter d'infliger ça, c'est pas bon. Tu dois être en bonne santé. Tu dois avoir de l'énergie pour ton bébé qui est dans le ventre. S'il te plaît, je t'ai cherché depuis. C'est bon, ma sœur, arrête, ça va aller. Okay. Tu calmes. Sois forte. Ça suffit. On y va nous asseoir. Okay. Calme-toi. Et ça va aller. On y va. Partons. Viens t'asseoir. Tu ne peux pas rester comme ça. Je t'ai cherché depuis longtemps. Je ne savais pas que tu étais là. Oui. Tu calmes. Arrête ça. Tu dois être forte. Pour moi. Pour nous. Et aussi pour ton bébé. C'est bon. Alors, comment allez-vous aujourd'hui? Je vais bien, monsieur. Ok, très bien. Je veux que tu viennes avec moi en ville. Hein? J'aimerais que tu mettes ton monde dans un bon hôpital. Je prendrai soin de toi et de mon petit-fils. Je vais me rassurer que tu ne manques de rien. Ok? Et jusqu'à ce que je vais me marier avec... ma femme que tu appelles belle-mère. Oh, félicitations, monsieur. Félicitations. Merci. Alors, dès que tu es prête, tu fais signe, on va partir. D'accord, monsieur. Je vois ta soeur, elle a envie de partir avec toi. C'est pas grave.
Ce n'est pas grave, j'ai une grande place pour vous, alors vous pouvez venir. Ah, merci, monsieur. Merci, merci, oui, monsieur. Oui. Merci beaucoup, que Dieu te bénisse. Bien sûr que tu as une grande famille. Ah. Oui. Oui. Oh. Oh, mon petit-fils, ce sera un garçon. Oh, c'est vrai? Ah, bien sûr, c'est un garçon. C'est vraiment un garçon. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le igbo, le twi, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram aforevo_dobbing, sur notre site web www.aforevo_dobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement.